Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre place. Je salue la présence parmi nous dans l'hémicycle de l'Association des auditeurs de l'Institut du Sénat qui porte un programme intitulé « Jeunesse pour la démocratie » et une quinzaine de jeunes sont à la découverte de l'Assemblée nationale, du Sénat et du CESE. Merci d'être passé par le CESE et d'être présent parmi nous à l'ouverture de cette séquence plénière. Mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, mesdames et messieurs, cette séance plénière comprendra deux temps. En bureau, ce matin, nous avons décidé de reporter à une plénière ultérieure l'examen du Code de déontologie. Donc une plénière en deux temps. Je vous présenterai tout d'abord une déclaration du bureau en faveur de l'inscription du droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Et puis ensuite, nous étudierons un projet d'avis consacré au métier de la cohésion sociale. Je commence donc par la déclaration adoptée par le Bureau dont je vous donne lecture. La récente décision de la Cour suprême des États-Unis a fait régresser de façon accablante le droit des femmes à disposer de leur corps. Désormais, chaque État aura la possibilité d'interdire l'avortement. Au-delà du cas américain, c'est dans le monde entier que se dessine un mouvement de retour à la pénalisation, voire à la criminalisation de l'avortement, à la conception la plus archaïque de la femme, réduite à un destin biologique, aussi insensé et violent puisse-t-il être. Depuis des années, partout dans le monde, les mouvements anti-choix se sont structurés. Abondamment financés, ces réseaux disposent de puissants relais politiques, économiques et médiatiques. La démocratie n'est pas qu'un ensemble d'institutions. Elle doit être un processus d'émancipation des individus, de respect des droits fondamentaux, dont celui des femmes, qui subissent encore trop souvent des dominations politiques, économiques et domestiques. Reculer sur le droit à l'avortement, c'est nier le droit des femmes à disposer d'elles-mêmes. C'est contraindre les femmes, et encore plus les plus défavorisées, à avorter clandestinement, à leurs risques et périls, ou les obliger à partir avorter dans un pays qui l'autorise. Reculer sur le droit à l'avortement, c'est aussi se préparer à reculer sur une multitude de droits, comme le mariage entre personnes de même sexe ou encore la dépénalisation de l'homosexualité aux États-Unis, en Europe, comme dans le reste du monde. Au sein même de notre pays, l'effectivité des droits n'est pas toujours garantie. La fermeture des services d'IVG, des maternités, et l'absence de réorientation des femmes confrontées à l'exercice de la clause de conscience des médecins constituent autant d'obstacles à la mise en œuvre du droit à l'IVG pour toutes. Les subventions aux associations de défense des droits des femmes sont rarement alignées sur les besoins et, dans certaines configurations politiques, littéralement supprimées. De plus en plus de femmes sont obligées de se déplacer dans d'autres départements que leur lieu de résidence pour en bénéficier, supposant des moyens matériels et financiers. Dans ses travaux, le CESE a toujours soutenu la défense des droits sexuels et reproductifs, notamment dans une étude de 2019 où il demandait leur inscription dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Aujourd'hui, plus que jamais, nous renouvelons cette demande et nous nous réjouissons que le Parlement européen ait voté en ce sens. Nous demandons aussi l'inscription du droit à l'interruption de grossesse dans la Constitution de notre République, afin de dissuader des éventuelles tentatives futures pour l'abroger, et que ce droit soit et reste toujours effectif dans notre pays. Nous avons la responsabilité d'agir, et les pouvoirs publics ont la responsabilité de soutenir nos actions. Voilà, mesdames et messieurs les conseillers, la déclaration du bureau. J'en viens à présent à l'avis sur les métiers de la cohésion sociale, dont le rapporteur est Évan Jeanne-Rose, au nom de la Commission Travail et Emploi, présidée par Sophie Thierry. Nous nous en souvenons tous. Au plus fort de la pandémie de Covid-19, lors du premier confinement, une grande partie d'entre nous ouvrait ses fenêtres vers 20 h pour applaudir les personnels soignants, infirmières, infirmiers et médecins, aux prises avec un raz-de-marée de malades. Ce témoignage d'admiration et de reconnaissance pouvait tout autant valoir à destination des métiers, non pas de la santé, mais du lien social. Dans ce domaine, désigné le plus souvent par les termes d'action ou de travail social, il ne s'agit pas de soigner directement une pathologie physique, mais de soigner les difficultés que rencontrent des millions de personnes à simplement faire partie de la société, à y acquérir autonomie, dignité et reconnaissance. Il s'agit en somme à la fois de prendre soin d'autrui et de montrer qu'une société se juge d'abord au sort qu'elle réserve aux plus démunis, comme le rappelait le père Wrezinski, qui a marqué l'histoire du CESE par son avis sur la pauvreté, conçue comme une atteinte aux droits fondamentaux. Ces métiers du lien social nous concernent tous, nous-mêmes ou nos proches. D'une part, car on estime qu'au moins 2 personnes sur 3 vivent avec une forme de vulnérabilité, qu'elle soit liée à la santé, au logement, à la pauvreté, à l'isolement ou encore à la relégation territoriale. Et d'autre part, car ces métiers s'adressent à tous, en ce qu'ils incluent et relient les plus défavorisés à la société. Leurs missions sont au cœur d'une démocratie sociale comme la France. Et pourtant, les assistants familiaux, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, les animatrices et animateurs socio-éducatifs, les éducateurs spécialisés, pour ne citer que ceux-là, connaissent une crise de sens, un déficit d'attractivité, des conditions de travail dégradées en raison d'une déshumanisation croissante de la relation aux personnes accompagnées. Ces métiers, méconnus et mésestimés, sont exigeants et difficiles, comme le prouvent un important turnover et une forte incidence d'épuisement physique et psychique. Ils sont majoritairement féminins, comme si l'attention à l'autre et la bienveillance étaient naturelles et propriété d'un sexe plutôt que d'un autre. La réduction genrée de ces compétences est un insupportable ressort de leur dévalorisation symbolique et monétaire. Or, s'occuper des autres s'apprend, qu'il s'agisse d'un enfant, d'un adolescent, d'une personne âgée ou en situation de handicap. C'est d'autant plus vrai que notre siècle ne sera pas tant celui des robots que celui du care et des services à la personne. L'exigence de santé et de bien-être dans toutes leurs dimensions, le vieillissement de la population, la montée des maladies chroniques, la fragilisation du lien social, exige un surcroît d'investissement, de rémunération et de reconnaissance à l'égard de ces métiers. Seuls des humains peuvent répondre aux besoins de dignité et de solidarité d'autres humains. Cela suppose du temps, de l'expérience et de la pratique. Comme tous les métiers difficiles, leur situation a encore empiré à la suite du Covid-19 et le déficit de personnel est toujours plus préoccupant. La complexité des financements et des modes d'organisation et de prise en charge, le manque de formation continue ne font qu'ajouter au problème. Dans sa vingtaine de préconisations, l'avis invite à répondre à l'urgence face à la pénurie des personnels et au malaise général, notamment en revalorisant l'image de ces métiers. Il propose des pistes pour redonner du sens à ces activités, notamment en améliorant le taux d'encadrement et en repensant l'évaluation. Enfin, il se projette dans l'avenir de ces métiers, notamment en invitant à une meilleure expertise scientifique et à une promotion de la formation continue. Il est plus que temps de prendre connaissance de cet avis. La parole est à présent à Madame la Présidente de la Commission Travail et Emploi, Madame Sophie Thierry, ensuite à Évan Jeanne-Rose, qui animera une table ronde avant de nous présenter l'avis. Sophie. Donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis très fière de pouvoir faire cette introduction sur cet avis qui occupe la Commission Travail et Emploi depuis 6 mois maintenant. Et je vais centrer mon propos sur 3 points qui ont davantage trait à la méthode de travail. Le premier, c'est de dire que s'il n'était nécessaire de démontrer qu'on pouvait travailler autrement et prendre de plein pied la dimension de la réforme du CESE en s'ouvrant à la société, aux citoyens, à la parole citoyenne, en l'occurrence ici les professionnels du secteur des métiers de la cohésion sociale, eh bien voilà, cette preuve, elle est là aujourd'hui devant vous et Évan va vous le présenter. Nous avons fait 3 visites de terrain qui ont déjà permis à tous les membres de la commission de bien se représenter de quoi, de qui on allait parler. Nous avons aussi réalisé une plateforme de consultation avec plus de 5000 professionnels qui se sont connectés sur cette plateforme. Ça a été un vrai espace de parole. Ce n'était pas simplement des votes pour des préconisations. Ça a été vraiment un lieu d'expression des professionnels et on a compris que ça répondait à un besoin. Il y a aussi une journée participative qui a réuni 50 personnes qui avaient participé à cette plateforme et qui sont venues travailler pendant une journée ici au CESE en petit atelier. Ça a été l'occasion d'incarner vraiment ces métiers et les difficultés qui étaient rencontrées, mais aussi les solutions, parce qu'il y a un sentiment de fierté très très fort qui s'était dégagé pendant cette journée et une résilience incroyable de personnes qui sont face à des difficultés au quotidien mais qui sont toujours dans la recherche de solutions. Et puis, il y a eu aussi une implication des CESE, de plusieurs CESE, et une implication particulièrement appréciée parce que leurs membres, et certains sont ici aujourd'hui, ont vraiment accompagné l'ensemble des travaux, que ce soit dans les auditions jusqu'à la formulation de préconisations, et donc nous les en remercions. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est des remerciements qui vont forcément avec, parce que pour une telle aventure, celle que je viens de vous raconter. Tous ceux qui ont fait des avis voient très bien ce que ça représente, tout cet investissement. Il a fallu un rapporteur. Donc, merci beaucoup à Évan pour avoir impulsé et porté cette dynamique tout au long. Merci beaucoup à l'équipe d'administration qui a su aussi faire face à cette charge de travail importante et s'adapter parce qu'on ne savait pas où on allait au départ. Ça a été vraiment le principe de départ. On ne venait pas juste pour vérifier des points de vue, on avançait au fur et à mesure. Et puis un grand merci aussi à tous les conseillers. Et en particulier tous ceux qui ont pu vraiment être dans l'ensemble de cette dynamique-là, aux petits groupes de travail qu'on a pu mettre en place pour aider à la plateforme, parce qu'on avait des spécialistes dans notre équipe, et puis à l'ensemble des conseillers qui ont fait ce cheminement collectif de rencontres, de discussions, d'échanges. Et je crois que pour nous tous, il y a un avant et un après. On n'est plus tout à fait pareil quand on parle du secteur maintenant du travail social, quand on a fait cet avis. Le troisième point et dernier point, c'est que nous étions partis pour faire un avis et puis en cours de route, on a décidé de faire un avis et un rapport. Alors le rapport, parce qu'il s'agissait de ne rien perdre de la qualité de tout ce recueil d'informations, d'expertise et de débats dont je viens de vous parler. Mais on s'est quand même posé la question de savoir est-ce qu'on faisait un rapport de plus sur ce sujet. Et en fait, la vraie spécificité du rapport, qui à mon avis a une vie, autant que la vie, il a une vie à mener, il est que sur un sujet où on entre toujours par les politiques publiques, les politiques sociales, on est rentré par le sujet, et c'est normal, c'est la commission travail-emploi, on s'est mis à hauteur de professionnels de ces secteurs-là. On est rentré par le métier, par la façon de faire le métier. Et en se plaçant à hauteur des professionnels, je crois qu'on a vraiment mesurer que ce qui ne fonctionnait pas, parce qu'on l'a vu, c'est un secteur en grande difficulté, c'est un travail empêché. Ça aurait été le titre de l'avis, hein, le travail empêché. Et je pense que ça a été quelque chose de très fortement mis en œuvre. Et donc peut-être que Évan et ses invités vont pouvoir, je vous invite d'ailleurs à venir parce qu'ils vont pouvoir vous présenter tout ça. Mais c'est peut-être aussi à partir de ce rapport et de cet avis l'occasion de penser autrement ce sujet à partir du travail, avec ceux qui savent, c'est-à-dire ceux qui font, les professionnels des métiers de la cohésion sociale. Je vous remercie. C'est bon, vous êtes bien ? Bonjour à vous, toutes et tous. Dans le cadre de cet avis, nous avons cherché à comprendre et à explorer les différentes dimensions du malaise exprimé par les différents acteurs du travail social et de l'éducation non formelle. À commencer par les professionnels, cela a été dit, qui sont sur le terrain, les étudiants qui se forment pour ces métiers, mais également les personnes accompagnées ou leurs proches aidants. Alors, avant de tout de suite rentrer dans la discussion, juste se mettre un petit point d'accord sur c'est quoi le périmètre de cette saisine. Parce que c'est un sujet qui nous a agités dès le début et nous avions fait un choix peut-être un peu différent de l'habitude. Cette saisine, elle s'intéresse en fait au métier de l'action sociale et éducative, c'est-à-dire qui va de l'action sociale à l'éducation populaire, qui est une grande famille de métiers, qui a l'habitude d'être toujours dans des couloirs de nage relativement singuliers, séparés, et qui pourtant, tous peuvent se reconnaître d'une définition du travail social que vous voyez apparaître à l'écran. Je vous laisse la lire parce qu'elle est assez peu connue finalement, et elle a pourtant été inscrite au sein du Code de l'action sociale et des familles il y a quelques années, en 2017. Alors derrière cette définition, il y a des métiers. Je vais en reciter un certain nombre, vous en avez déjà entendu parler. Il y a les assistantes familiales, il y a les AESH, il y a les techniciens de l'intervention sociale et familiale, il y a des médiateurs, il y a des directeurs, il y a des moniteurs éducateurs, il y a des responsables d'animation, il y a des éducateurs spécialisés, il y a des éducateurs de jeunes enfants, des conseillères en économie sociale et familiale, des assistants ou assistantes de services sociaux, des accompagnants éducatifs et sociaux. Il y a des animateurs, des cadres de direction, des mandataires judiciaires, et évidemment j'en oublie, la liste est longue, mais c'est pour vous montrer qu'il y a une incroyable diversité et qu'il ne s'agirait pas de réduire ces métiers-là à un seul et unique métier. Quelques chiffres pour nous aider aussi à nous représenter très rapidement ce que représentent ces professionnels. On n'a pas compilé parce qu'on ne sait pas exactement aujourd'hui qui recoupe quoi. Mais on peut se dire qu'il y a 250 000 professionnels socio-éducatifs, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, éducateurs de jeunes enfants. Il y a 990 000 professionnels de l'action sociale. On estime qu'il y a 60 000 aides médico-psychologiques. Il y a 37 000 assistants familiaux, 115 000 accompagnateurs d'élèves, 383 000 animateurs. J'imagine que vous vous rendez bien compte qu'il s'agit de beaucoup de professionnels, qu'il s'agit finalement avec cet avis et ce rapport de remettre dans la lumière. C'était un choix et un pari que de réussir à traiter de manière transversale des métiers qui sont trop souvent, je vous l'ai dit, dans des couloirs de nage, séparés artificiellement. Leur histoire et compétences sont différentes, bien que complémentaires, et alors que tous se reconnaissent d'une même finalité, attachée à la relation humaine, à l'émancipation et à l'autonomie des personnes. C'est ce qui les rassemble. Ils n'agissent pas toujours dans les mêmes établissements, ni dans les mêmes secteurs ou auprès des mêmes publics, mais si je ne prends que l'exemple des animateurs, et vous comprendrez pourquoi ce choix d'avis, ils peuvent agir au sein des accueils collectifs de mineurs, les fameux centres de loisirs ou colonies de vacances, mais ils peuvent aussi agir dans un EHPAD, dans un hôpital, dans une MEX, et avec le même diplôme. Vous comprendrez donc l'idée d'un choix transversal à partir du travailleur et tout ce que ça peut nous apporter comme élément de réflexion. Et je tiens, avant qu'on aille plus loin, à d'ores et déjà remercier la commission, sa présidente, Sophie Thierry, l'administration, Jean-Philippe Mazot, Nathalie Ravion, Malika Merad, Xavier Guillard et Héloïse Péot, notre collaboratrice de groupe, d'avoir permis que ce travail existe parce qu'il était intense et le cahier des charges, je pense que vous l'aurez compris, était aussi très intense. On a voulu renouveler des méthodes et faire vivre les nouvelles dispositions du CESE, l'accueil des Césaires tout au long du travail, ainsi que la participation citoyenne. Et je salue, parce qu'ils sont là aujourd'hui, ma famille et notamment ma conjointe, qui ne m'ont pas beaucoup vu ces derniers mois, et c'était un plaisir de leur montrer pourquoi. Plutôt qu'une longue présentation du rapport, que vous aurez l'occasion de lire, je l'espère, trois personnes avec nous pour échanger. Céline Martinez, qui est là, désolé, Céline Martinez, tu es maman d'un enfant en situation de handicap et aussi psychologue. Psychologue clinicienne, oui. Voilà. Slimane Medaoui, ici présent, qui est étudiant, qui était étudiant au CMEA jusqu'à très peu, dans une formation de Café Ruisse. Tu as été anciennement animateur BPJEPS, tu as été aussi éducateur spécialisé, et on t'a rencontré lors du déplacement dans le centre de formation des CMEA en Ile-de-France. Et à distance avec nous, Isabelle Miranda, qui malheureusement, crise Covid, fait qu'elle ne pouvait pas être parmi nous physiquement. Tu es assistante de service. À des laboratoires de recherche. Merci à vous d'être présents. Alors, quelques questions. Est-ce que, Isabelle, tu nous entends bien? Oui, ça y est. Super. Tout à fait. Il y a eu un bug. Donc, on va commencer, donc, avec toi, Isabelle. Peux-tu nous dire quelques mots de ton parcours et quelle vision tu as de ton métier? Moi, ça fait 20 ans hein, que je suis dans ces métiers de la cohésion sociale. D'ailleurs, je voulais préciser que j'ai beaucoup aimé ce terme-là, qui me parlait beaucoup plus qu'action sociale, car comme tu le disais tout à l'heure, ce sont vraiment des métiers qui sont tournés vers faire société avec toutes les personnes. Plus que inclure des personnes, elles font déjà partie de la société. Donc, en fait, c'est comment travailler avec elles et avec les partenaires pour que tout le monde puisse faire société ensemble. Tout au long de ces 20 ans, j'ai fait plein de postes différents, un peu comme Slimane. J'ai été assistante sociale, maintenant je suis mandataire judiciaire à la protection des personnes, donc curatrice et tutrice de personnes en vulnérabilité. Mais surtout, ce que je voulais dire dans la perception que j'ai eue de ce métier, moi, j'ai pas fait partie des gens qui, dès toute petite, voulaient aider les autres, mais je voulais vraiment qu'on puisse tous vivre ensemble et que tous puissent partager des droits. Et c'est bien quelque chose qui m'agace profondément, c'est quand on me dit « Ah, mais qu'est-ce que vous faites un beau métier ?» En fait, non, c'est pas un beau métier et je suis pas une sainte, je suis pas un pompier, je suis rien de tout ça. En fait, ce sont des métiers qui sont extrêmement techniques. Ce sont des métiers où on travaille toujours avec l'autre, où on travaille avec soi, on doit essayer d'apprendre à se connaître, à essayer de faire société. Tous les jours, on s'adapte, on retraduit des lois, on donne de l'information avec différents niveaux, enfin en fonction des différents postes que l'on occupe. Et c'est vraiment ça l'image que je voudrais donner aujourd'hui des professionnels. C'est que ce sont vraiment des professionnels qui sont hautement qualifiés, de compétences si multiples qu'eux-mêmes n'arrivent pas à en parler. Et souvent, ces métiers-là se sont tus. Très longtemps, on a fait parce qu'il y avait beaucoup, et il y a encore beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, on voudrait parler. Et on vous remercie parce que lors de cette journée-là, effectivement, on a vraiment pu parler et dire tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on ne peut pas faire, comme disait Madame la Présidente, le travail empêché, tout ce qu'on ne peut pas faire et tout ce qu'on aimerait faire et tout ce qu'on aimerait changer. Et c'est ça que je voudrais donner comme image de professionnels qui font qui réfléchissent à ce qu'ils font et qui maintenant voudraient parler et voudraient dire comment on peut mieux faire. Voilà, et réfléchir avec vous. Merci. Merci. Merci beaucoup oui, pour cette présentation et puis ce rappel de la journée délibérative. Au cours de cette journée, mais aussi tout au long de nos travaux, on s'est posé la question de si la pandémie de Covid avait changé quelque chose. Donc, est-ce que pour toi, ça a été le cas? Est-ce que ça a changé ta perception de ton métier ou de tes pratiques professionnelles? Oui, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que, en fait, beaucoup de personnes n'étaient entourées que de professionnels. C'est-à-dire que tout leur réseau était des professionnels qui se sont retrouvés impactés par des décisions publiques qui ne prenaient pas en compte cette spécificité. Vous savez, quand on dit que les aides ménagères doivent se focaliser sur les actes indispensables au maintien à domicile, eh ben, juste faire le ménage, passer parler à quelqu'un, ça fait partie de ces actes. Eh ben, ça n'a pas été pris en compte ou mal pris en compte. Et tous ces petits ajustements, je pense que c'est ça aussi qui a décidé de pousser les professionnels à ne plus se taire en disant, ben en fait, les gens, ils ne nous connaissent pas, donc ils ne peuvent pas non plus appliquer des bonnes décisions. Et lors de cette période de Covid, ça a été aussi une période où peut-être plus que dans d'autres, on a dû revoir aussi, c'est quelque chose qui pèse aussi beaucoup sur les professionnels des métiers de la cohésion sociale, c'est ce qu'on appelle souvent se donner le propre cadre de ses missions. Alors oui, on a des cadres institutionnels, on a des missions qui sont définies, notamment moi qui travaille avec des mandats judiciaires. Mais il y a aussi un propre cadre. Par exemple, des choses toutes bêtes. Vous voyez, aujourd'hui, moi j'ai pris l'habitude, quand je vais voir des gens, quand je participe à des colloques dans le cadre, de faire toujours un autotest. Voilà, pour dire, même si je ne suis pas malade, est-ce que je vais transmettre quelque chose? Est-ce que, voilà, alors ce n'est pas imposé par la loi, personne ne m'y oblige, mais c'est des choses que l'on se donne comme ça, des moyens. Et vous savez, se construire soi-même son propre cadre, c'est quelque chose aussi qui est difficile et qui est lourd à porter. Et vous voyez, pendant cette période de Covid, il y a eu ça en plus. Il y a eu ça qui a été très difficile à porter, mais qui, je pense, aussi est à l'origine de cette prise de parole, au-delà de réclamer de l'argent ou une revalorisation salariale. Il y a vraiment ce côté-là de se dire, il faut qu'on nous connaisse pour qu'on puisse nous laisser travailler comme l'on veut. Ok, merci. Et c'est intéressant parce que tu fais effectivement la différence entre d'un côté les besoins de revalorisation salariale, qu'on aura l'occasion de revenir, et par ailleurs le cadre de travail, l'organisation du travail, on y reviendra aussi. Dernière petite question, selon toi, qu'est-ce qu'il faut changer en priorité dans ce secteur ? Moi, je pense qu'un des renouveaux dans les pratiques innovantes, car comme je disais, ce n'est pas, même si on s'est tue longtemps, ce n'est pas du tout un domaine qui a arrêté de penser. Il y a des tas de pratiques qui sont mises, notamment au sein des associations. Il y a beaucoup aussi la co-construction. Comme on a fait la journée participative, je pense qu'il y a une co-construction nécessaire avec les personnes d'abord accompagnées, je pense. Celles-ci, elles ont une expertise de leur propre vie. Ce sont des vrais experts d'usage. On en entend beaucoup parler dans le monde médical, de patients experts, dans le monde de la psychiatrie, autour des pairs, mais des aidants, vous en avez invité, il y en a dans tous les domaines. Et les personnes elles-mêmes savent exactement ce qu'elles veulent aussi. Et elles peuvent aussi aider les professionnels à construire une mise en place et à donner ce fameux cadre dont je parlais tout à l'heure. Mais dans la co-construction, je pense qu'il y a aussi une co-construction à faire avec les politiques publiques sur les territoires. Je pense que co-construire, on parle beaucoup de cette pression logico-financière qui est mise sur des associations et sur un monde qui est empli de valeurs et qui effectivement se retrouve à mettre des valeurs dans des cases et des tableaux Excel, ce qui est très compliqué de mettre des valeurs dans des tableaux Excel. Mais je pense que c'est aussi en allant discuter avec les gens qui construisent et qui financent aussi ce secteur que l'on peut se rendre compte à quel point, parce que les tableaux Excel, quoi qu'on en dise, on peut les paramétrer comme on veut. Et je pense que c'est dans cette co-construction, que ce soit de la personne accompagnée jusqu'à la personne qui crée et qui met en œuvre la politique publique et normalement qui finance ce secteur, si tout le monde co-construit les choses, il y a des choses qui vont imaginer, il y a des choses qui vont se passer parce que tout le monde sait que le but, c'est pas de trouver de l'argent là où il n'y en a pas. Mais ce qui est important, c'est de trouver et d'utiliser l'argent au mieux des besoins. Et qui connaît mieux les besoins que les personnes qui reçoivent et qui sont bénéficiaires de ces droits? Merci beaucoup Isabelle pour ce témoignage qui, j'espère, enfin pour l'Assemblée, les personnes en ligne, permettra d'éclairer un peu mieux une des facettes de ces métiers. Je vous propose de continuer du coup avec Slimane. Même question pour commencer, hein. Quel est ton parcours et comment en es-tu arrivé à ces formations? Alors bonjour tout le monde. Moi, mon parcours il est assez atypique, mais force est de constater que dans le temps, c'est la porte d'entrée de beaucoup de jeunes professionnels dans les métiers du social. J'ai été dans un premier temps en rupture scolaire en fin de troisième, j'ai pas eu d'orientation et je me suis retrouvé exclu hein, du système scolaire de cette manière-là et sans orientation. Via le sport et différentes rencontres, j'ai eu la chance d'intégrer un BPJEPS, donc une formation de l'animation professionnelle, un BPJEPS activité physique pour tous. Et tout fraîchement diplômé de ce BPJEPS, je me suis mis à postuler dans un tas de, c'était mes premières candidatures, donc dans un tas d'organismes susceptibles d'accueillir un BPJEPS. Et c'est comme ça que j'ai découvert la protection de l'enfance, par hasard, en postulant. Et j'ai été faisant fonction du poste d'éducateur spécialisé, parce que j'avais des missions d'éducateur spécialisé sans le diplôme. J'ai eu plusieurs expériences d'éduc-spé, mais en faisant fonction. Et en 2015, j'ai décidé de passer la VAE d'éducateur spécialisé que j'ai obtenue. Donc là, pour le coup, j'étais plus faisant fonction, mais vraiment éducateur spécialisé. 2019, une suite assez logique parce que ça faisait un moment, j'ai fait un CAFERUIS, donc le diplôme de cadre de métier du social. Et actuellement, je suis en train de finir un Master 2 de management des organisations sanitaires et sociales. Merci, beau parcours, qui est à l'image hein, de ce qu'on voit souvent, ce qu'on peut souvent observer dans ce champ-là, qui est un champ de promotion sociale, on le dit assez peu, mais c'est un espace pour des personnes, pour vraiment pouvoir évoluer dans leur situation de vie et professionnelle. Tu as la spécificité d'avoir fait de l'intérim, et l'intérim, ça a fait débat dans la commission Travail et Emploi, donc est-ce que tu peux nous partager ton expérience ? Complètement, ça fait souvent débat, hein, au-delà des commissions, c'est assez diabolisé, j'ai envie de dire, et je fais toujours de l'intérim. J'occupe actuellement un poste de responsable éducatif d'une agence d'intérim avec pour mission première de faire le lien entre l'agence d'intérim qui pour le coup est gérée par des commerciaux et pas des personnels de l'éducatif et les structures chez qui sont délégués les éducateurs. Ça permet d'assurer un suivi éducatif et une relation éducative entre la structure et l'agence d'intérim. Et en effet, hein, l'agence d'intérim pose question. Dans le meilleur des mondes, et si tout allait bien, l'agence d'intérim ne devrait pas forcément exister, sauf que force est de constater qu'aujourd'hui on a des carences institutionnelles qui poussent et c'est dans ce contexte-là que j'ai envie de dire heureusement qu'il y a de l'intérim, parce que sans ça, déjà qu'on manque de structure et qu'on manque de place, sans intérim, il y aurait plus de structures qui auraient fermé et donc forcément moins de place. Okay. Et sur l'intérim, donc ton bilan quelques années plus tard en termes d'expérience de professionnel, qu'est-ce que ce serait? Alors ça a été super riche parce que dans un premier temps, l'intérim, on peut penser que c'est un intérêt pécunier en se disant les intérimaires gagnent plus d'argent. On en oublie le côté précaire qu'il y a en intérim et c'est assez ahurissant de voir des professionnels qui préfèrent être confrontés à cette précarité et choisir l'intérim plutôt qu'être en institution et protégé par un contrat de longue durée. Ce que moi je peux en conclure, c'est que heureusement que j'ai rencontré l'intérim parce que sinon je serais peut-être plus dans les métiers du social. Les souffrances institutionnelles de par un manque de moyens, de par des situations, de par des postes vacants, de par des décisions qui peuvent être prises et qu'on ne saisit pas toujours. Quand on est intérimaire, on se détache de cette dimension-là et on est beaucoup moins impacté par les carences institutionnelles. Donc ça a été ce qui, moi, a fait que je suis toujours aujourd'hui en intérim. En parallèle de ça, on constate aussi un désintérêt de la profession, parce que jusque-là, les agences d'intérim n'avaient pas de difficulté à recruter, sauf que depuis 2 ans, depuis la crise Covid, on constate que même les agences d'intérim sont en difficulté pour recruter des éducateurs spécialisés. Merci, ce qui est... prouve que la situation a priori est relativement intensément grave. Tu es en Ile-de-France, je le précise parce que ça, dans ce qu'on a entendu, il y a en plus des problématiques qui se rajoutent en Ile-de-France du fait de la vie chère, du coût des loyers vis-à-vis des salaires présents. Aujourd'hui, quel serait ton regard sur la formation ou les formations que tu as suivies? Alors, heureusement que je les ai rencontrés, heureusement. On a la chance de faire un métier où l'humain compte beaucoup. La personne qu'on est, on ne peut pas s'en détacher en arrivant au travail. Et ça vient impacter nos pratiques de manière évidente. On fait un métier aussi où on va souvent agir de manière intuitive, au ressenti. Et je pense que le meilleur moyen d'accompagner cette professionnalisation des pratiques, cet aspect intuitif de nos pratiques aussi, c'est justement la formation. Je suis passé par différentes formations, une formation d'animation professionnelle qui m'a donné des notions en animation. J'ai pu faire le diplôme d'éducateur spécialisé en VAE. Et aussi étrange que ça puisse paraître, ça a été pour moi vraiment une reconstruction professionnelle, parce que de devoir justifier de ma pratique en l'écrivant, et en devant expliquer pourquoi je faisais ça à tel moment et pourquoi pas autre chose. Et toutes ces choses-là, ça a été vraiment une reconstruction professionnelle. Et lors de la formation Café Ruisse, pour le coup, là, d'être assis de nouveau sur des bancs et d'assister à des cours, il y a eu des apports théoriques qui, pour moi, sont indispensables à la formation professionnelle des professionnels, justement, qui sont confrontés à des situations hyper délicates et où l'instinct ne suffit pas. On a vraiment besoin, ne serait-ce que d'être cette conscience sur la prise de distance et des différentes ressources qui peuvent être les nôtres dans certaines difficultés. Merci beaucoup. Et on continue donc avec toi, Céline. Donc, tu es maman d'un enfant en situation de handicap. Est-ce que tu peux nous dire quel rôle jouent pour toi les professionnels qui sont auprès de ton enfant ou auprès de toi d'ailleurs? Je vous remercie pour votre écoute. En préambule, je voudrais juste rappeler la définition de ce que c'est que d'être un aidant, d'être dans l'intimité de la famille, proche d'une personne en fragilité majeure, en perte d'autonomie, en situation de handicap ou dû à l'âge ou dû à la maladie. Ce qu'il faut comprendre, et en tant que psychologue clinicienne, quand j'ai mis au monde mon enfant il y a 13 ans, c'est qu'il y a une fusion qui va s'opérer entre la personne aidante et l'aidé. En psychologie, on appelle ça la préoccupation maternelle primaire qui dure de 0 à 6 mois. C'est-à-dire que quand l'enfant naît, on a une vigilance absolument extrême, même si la mère ou le père est très loin, à peine l'enfant bouge et il y a une réactivité. Donc l'aidant est en situation de stress chronique, de vigilance extrême et de don de soi. Il doit se dédier pour pallier à la perte à la perte d'autonomie. Et le cas que je présente, parce que je viens illustrer par ma vie, si je peux appeler ça une vie, c'est que je suis au cœur du réacteur parce que j'ai mis au monde un enfant atteint d'une maladie rare et très grave, une des plus graves sur les 8000 répertoriés dans le monde. Alors pendant la petite enfance, c'était à peu près 60 rendez-vous médicaux par mois, ça faisait presque 2 par jour. Ensuite, j'ai réussi à l'aiguiller vers un institut médico-éducatif. J'ai eu la chance de trouver une place. Aujourd'hui, c'est l'aiguillage des 14 ans et je ne trouve pas de structure. Je me suis adressée à une structure spécialisée, par exemple, dans l'obésité morbide dont il est atteint, c'est-à-dire que si je ne le protégeais pas de la nourriture, il pourrait en mourir. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Il a des troubles du comportement très importants. Et on m'a dit... Il n'est pas obèse, votre couple n'a pas explosé, il est suivi par des hôpitaux, il n'est pas passé en Belgique et revenu en France, donc on ne peut pas le prendre. Donc pour répondre à la question, les travailleurs sociaux, je les regarde avec beaucoup d'admiration et beaucoup de respect parce qu'ils m'aident à vivre. Ils me permettent de me soigner parce que je peux m'en référer à cette personne qui en toute confiance va très bien s'occuper de mon enfant qui est très particulier. J'ai formé 13 babysitters parce qu'au début, je ne savais pas que je pouvais faire appel à la société pour être aidée, donc je me suis débrouillée toute seule. Et bien sûr, ils n'étaient pas suffisamment formés. Aujourd'hui, j'ai un auxiliaire de vie depuis 2 mois, mais c'est un étudiant en philosophie qui n'est pas assez formé. Et encore hier, il a fallu que j'aille avec lui dans la ville pour l'aider. Je voulais acheter des nu-pieds à mon enfant et je n'ai pas réussi. J'ai dû faire 3 mises au sol, c'est-à-dire contenir mon enfant qui était en crise majeure, qui était en train de me frapper. Parce que là, vous me voyez, si vous voulez, dans ce qu'on appelle le faux self, c'est-à-dire que là, je me suis habillée, etc., pour être dans la vie, parce que j'ai envie d'être une femme, J'ai envie d'avancer, j'ai envie de construire des projets. Il y en a beaucoup. Et je remercie ma présidente de la Compagnie des aidants, Madame Claudie Kulak, qui me propulse ici et qui me permet de dire que je voudrais pouvoir transformer les choses, mais je suis pieds et poings liés. Par exemple, je suis psychologue clinicienne, je voudrais travailler tous les jours, je ne peux pas, parce que ça fait 13 ans que je ne dors pas normalement. Donc effectivement, les travailleurs sociaux fabriquent ce lien, me dédoublent, et me permettre d'être dans un autre corps à corps en étant dans un lien de dignité pour mon enfant, pour moi en tant que femme, en tant qu'épouse. Il me permet aussi d'être mère. Ça, c'est très important à dire parce que j'ai aussi d'autres enfants et j'ai massacré leur éducation. Je sais que j'emploie des mots assez mélodramatiques, mais ce que je vis est très fort. J'ai écrit un livre justement pour prendre du recul et je suis véritablement au cœur de la vie et justement au cœur d'un combat qui est invisible. Et on sait par exemple que dans le monde, on est à peu près 168 millions d'aidants et à peu près 138 millions de femmes. Donc c'est vraiment un enjeu de société. Ok, merci. Sur la situation actuelle, on a beaucoup entendu parler de pénurie. D'ailleurs, tu en parles, il y a des structures qui ne peuvent pas t'accueillir, ou alors de turnover. La question qui se pose, c'est est-ce que ça a un impact ou des effets, ce turnover ou cette pénurie, pour toi? On a compris pour ta famille, ton enfant. Quels sont ces effets? Alors, je l'ai vécu de façon flamboyante pendant la crise sanitaire, parce que ce que nous devons faire, et ce que j'ai compris assez rapidement, c'est qu'en tant qu'aidant, il faut que je tende la main vers la société. Ce n'est pas la société qui va m'aider. Il faut que je traduise ce qui se passe et leur dire, voilà, quand par exemple il fait une crise de nerfs au Monoprix parce qu'il voudrait manger tout l'étal, il y a des personnes qui passent en disant, mais qu'est-ce que c'est cet enfant très mal élevé? Et je leur dis, vous savez, vous pouvez me donner un verre d'eau si vous voulez. Et ce que je vois depuis qu'il est pris en charge par un institut médico-éducatif, c'est que justement il y a une approche extrêmement bienveillante, extrêmement bien formé, qui a mené mon enfant vers les apprentissages, même s'il ne sait pas lire et écrire à 13 ans, mais il est capable de faire des choses. J'ai réussi. On m'avait dit qu'il parlerait comme ça. Il parle très très bien. On m'avait dit qu'il serait en chaise roulante. J'ai déconstruit ce que m'ont dit les médecins avec des alliés médecins, avec des alliés éducateurs. Et aujourd'hui, mon enfant monte à poney et fait des petits drops de rugby très sympas. Donc on peut changer la face de la vie de quelqu'un. Okay. Est-ce que on pourra aller sur la dernière question. Quand on a échangé, tu m'as dit qu'il y avait pour toi aussi un sujet incontournable sur les enjeux pour les droits des femmes. Et donc, je te relaisse la parole puisque tu avais exprimé quelque chose à ce titre-là. Oui, effectivement. Et je vais aussi, j'y ai pensé cette nuit parce que je dors très peu, forcément. Et c'est là où j'arrive à réfléchir quand tout est calme. J'aurais envie de parler aussi du droit des enfants, parce qu'il existe 500 000 à 700 000 enfants en France qui sont aidants. Quand ils rentrent de l'école, au lieu de jouer au ballon ou de faire leurs devoirs, ils vont chercher les médicaments pour la maman qui a un cancer ou aller chercher les frères et sœurs à l'école. Et donc voilà, le droit des enfants et le droit des femmes, parce que sans ces équipes qui font le relais, qui nous soutiennent, qui nous encadrent, qui nous portent, parce que être aidant impacte véritablement notre intimité de famille et nos corps au niveau de la santé. Je suis désolée de parler de doléances, c'est la partie qu'on n'aime pas, nous les aidants, mais c'est pour illustrer que vous compreniez. Je dois subir 4 opérations pour que mon corps fonctionne bien. On est en France, j'ai tous les médecins, mais je ne sais pas quand je pourrai faire ces opérations. Donc là, je ne peux plus monter et descendre d'un escalier. Je me suis cassé le bras, c'est une fracture de fatigue. Je n'ai que 50 ans et je trouve ça totalement anormal. Donc, si vous voulez, ma double vie d'aidante fait que je dois réduire la voilure. Je dois faire moins, je dois faire peu, je dois faire simple. C'est pas sain, mais c'est plus pratique. En fait, je suis en état de survie, alors que je voudrais faire beaucoup plus. Ok, et je me permets de dévoiler peut-être un peu ce qu'on s'était dit, mais tu me disais que finalement cette situation pour toi, elle n'était pas purement personnelle, mais qu'elle représentait la réalité de milliers ou de centaines de milliers de femmes aidantes et qu'à ce titre-là, finalement, les travailleurs sociaux leur permettaient à ces femmes de recouvrer une place dans la société, tout simplement, la possibilité de sortir, de ne pas être dépendant de cette situation. Enfin, effectivement, en travaillant à la Compagnie des aidants, je suis écoutante de témoignages qui sont dantesques. Et je voudrais m'en faire ici la porte-parole et l'avocate. Je fais aussi partie de certains groupes Facebook comme l'Union des mamans des enfants handicapés, parce qu'effectivement, ce corps à corps, comme l'a été annoncé par le président de cet hémicycle, c'est que ce corps à corps est dévolu aux femmes. Parce que c'est vrai que pour un papa, par exemple, de changer les serviettes hygiéniques de sa fille polyhandicapée de 18 ans, c'est compliqué. Donc c'est vrai que ce sont des métiers humains, de proximologie, qui nécessitent pas que de la bienveillance, pas que de l'amour, pas que de la dévotion filiale ou autre, ou par éducation religieuse, il faut aussi de la formation. C'est absolument vital. Et effectivement, pardon, j'ai un blanc. C'est ça, être aidant. Je vais avoir du mal à t'aider, on parlait du lien avec les autres femmes aidantes. Et voilà, effectivement, donc je fais partie de cette association d'union des mamans des femmes handicapées et je lis chaque nuit des situations qui sont absolument dramatiques et des femmes qui disent on devrait considérer notre pénibilité. Là, je vois une maman qui a des jumelles polyhandicapées et c'est vrai que là, par exemple, tout le monde nous souhaite des bonnes vacances. J'ai envie de leur dire, on repart en confinement, nous. On n'a plus de soutien, il n'y a plus d'école, les éducateurs partent en vacances. Et là, je vous jure, avec mon mari, on va cocher les jours. On a 45 jours à tenir. Est-ce qu'on va y arriver la nuit, le jour? Voilà. Il y a, par exemple, une maman qui a un enfant porteur d'autisme qui n'est pas sorti de sa chambre depuis 4 mois. Je pourrais vous en raconter plein. Donc, elle demande à ce que, par exemple, la retraite soit... regarder autrement pour ces personnes-là, que voilà, de comprendre que la charge mentale classique dont on parle et qu'on évoque pour le parcours de vie des couples et des familles, il est exacerbé dans ces situations-là et que justement les travailleurs sociaux viennent compenser, fluidifier, accompagner et que voilà, de travailler en concertation, ça serait fantastique. Merci beaucoup. Merci à vos 3 témoignages. C'était 3 témoignages qui étaient assez forts et je suis assez content de vous avoir permis aussi ici de découvrir une partie, et ce n'est qu'une petite partie. On a pu rencontrer au cours de cette saisine d'autres aidants avec d'autres difficultés. On a pu rencontrer des personnes concernées par des situations de pauvreté, des situations de précarité inopinées, accidentelles, c'est-à-dire un accident de parcours de vie. Et à chaque fois, on a eu ce récit et cet intérêt pour les professionnels avec, comme on l'a dit, le besoin de formation ou de pratiques qui permettent aux gens de recouvrer leur dignité et leur espace citoyen comme tout autre. Je vous remercie beaucoup. Et il va falloir qu'on passe à la suite et à la présentation de cet avis, de ce rapport. Merci à vous. Alors, suite à ça, la commission Travail et Emploi aurait sans doute voulu vous rendre un avis et un rapport qui constate avec une certaine forme d'optimisme l'état des secteurs de l'action sociale et éducative et qui envisage rapidement, sereinement, les évolutions permettant d'assurer l'attractivité de ces secteurs. Mais il n'en est rien, car la situation se révèle dramatique. Et il faut le dire en ces termes, car il nous faut être pragmatiques pour accorder au réel la place qu'il mérite dans la recherche des solutions et à la crise profonde que vivent les professionnels de ces secteurs. Chers collègues, cet avis a donné la parole à des professionnels qui disent ne plus pouvoir réaliser le travail que la nation leur demande. Et j'en remercie à la fois la présidente de la commission Travail et Emploi et le président du CESE pour leurs belles introductions qui ont rappelé cet enjeu, mais je me permets de le rappeler une 3e fois. Trois missions leur sont quotidiennement demandées. Il s'agit d'abord de résoudre la dette que nous avons tous à l'égard des plus vulnérables. Selon le CREDOC, 2 Français sur 3 vivent au moins une source de vulnérabilité au quotidien. Notre République sociale, telle qu'elle est définie au sein de notre Constitution, se doit d'y répondre par l'action, et non seulement par la redistribution monétaire. Ces professionnels assurent un filet de relations humains, professionnels et protecteurs à tout instant de la vie. Ils sont souvent la dernière présence de la République quand les services publics reculent, disparaissent ou se dématérialisent. Ces professionnels de l'action sociale et éducative ne sont pas seulement des métiers du prendre soin et du care, comme on l'entend trop souvent. Ils sont d'abord des professionnels du développement social et citoyen. C'est là leur deuxième mission, et elle est éducative. Elle permet à des millions de personnes de recouvrer des droits et une place dans la cité, auxquels ils n'ont plus accès du fait de leur situation de vie. Mais c'est une mission qui va plus loin, en cherchant à faire évoluer la société elle-même, pour la rendre plus inclusive, en contribuant à transformer ce qui doit l'être, pour que chacun y ait sa place et soit réellement l'égal de l'autre. Il faut sans doute le rappeler, beaucoup sont dans notre société encore peu ou pas écoutés, sans parole et laissés à des conditions de vie indignes. Enfin, il nous faut préparer l'avenir et donc répondre aux défis climatiques à venir. Le changement climatique et les multiples transitions se feront avec un impact plus fort à l'endroit des plus faibles. Il nous faudra nous assurer que tous aient en proximité une personne qui pourra les aider, les soutenir et les accompagner dans l'évolution de leur mode de vie et les impacts que nos choix font peser sur leur vie. Il nous faudra nous assurer également que ces professionnels soient formés et en capacité d'accompagner l'évolution des imaginaires et des modes de vie qu'impliquent les transitions à venir. Ces missions sont à haute valeur sociale. Elles maintiennent la cohésion sociale et font progresser les femmes, les hommes et la société. Je rajouterai, et ce fut le débat en commission, que ces missions permettent l'existence d'une vie économique, riche, intense, et donc aux entreprises de pouvoir prospérer, en libérant les personnes de leurs contraintes de vie. Pourtant, cet été, des enfants n'auront pas accès aux colonies ou aux centres de loisirs. Des établissements fermeront et les familles auront à reprendre à leur seule charge des enfants ou des parents âgés dont les besoins sont grands. Des résidents d'établissements et des habitants de certains quartiers n'auront plus accès aux loisirs, à la culture, à la possibilité de participer à la vie de la cité. Des personnes en urgence sociale se retrouveront sans réponse du fait de la pénurie de personnel. La protection de l'enfance cherche, aujourd'hui, comment maintenir l'accompagnement d'enfants dont elle a la charge, en raison de la pénurie de personnel. Des personnes resteront sans toilette, sans hygiène et sans présence humaine pendant quelques heures ou quelques jours. Je vous propose d'écouter une petite vidéo, de regarder une petite vidéo de notre déplacement à Lyon pour illustrer ces derniers propos. Avant, je faisais plein d'activités. J'ai changé de référente il n'y a pas longtemps. C'est pas que j'aime pas les remplaçants, mais il faut tout expliquer, quoi. Par la douche le soir, pour... Moi, je me débrouille, mais il faut m'aider pour le quotidien, quoi. Moi, je suis autonome, je peux expliquer, mais au bout d'un moment, c'est un peu pénible, quoi. On ne peut plus faire l'activité comme on faisait avant. On fait que les toilettes et le strict minimum. Tout le côté humain, il a disparu. Tout le côté éducatif, il a disparu. Notre rapport constate les évolutions profondes du travail social et éducatif. Le CESE peut ainsi affirmer en le votant qu'il ne s'agit pas d'une crise d'attractivité ou de l'emploi, mais plutôt d'une crise profonde du travail social et éducatif. 94% des personnes qui ont répondu à notre plateforme de consultation estiment que la situation s'est dégradée en 10 ans. Lorsque nous les interrogeons sur les difficultés majeures, elles pointent le manque de temps pour écouter et accompagner les publics, ainsi que l'évolution des modes d'organisation du travail qui pèsent sur leur capacité à remplir leur mission. Nos déplacements et nos auditions corroborent tout à fait ces ressentis. Le manque de temps est criant. Le travail est sous tension, en mode dégradé. Il en finit par devenir dégradant pour les personnes. Du fait de ces conditions, la maltraitance institutionnelle affecte les professionnels et leur public. Les pratiques professionnelles visant l'émancipation et l'autonomie, La construction d'une société accueillante, inclusive, au sein de laquelle la participation des personnes est pleine et entière, est empêchée par un agrégat de dispositifs et d'injonctions visant l'optimisation de ressources restreintes et en diminution depuis des années. Pourtant, les besoins augmentent. Les attentes et les demandes sociales et politiques se font de plus en plus exigeantes. À ce titre, une analyse des dimensions sexuées et genrées de ces métiers nous a paru féconde. Elle pointe comment nous avons réduit des compétences incroyablement pointues à des compétences naturelles, innées ou à des vocations. Ce rétrécissement est dommageable à la reconnaissance de ces professions. Il faut également rappeler ici que si, pour les hommes, l'escalier de verre semble bien fonctionner, le plafond de verre pour atteindre les responsabilités est plus rapidement atteint pour les femmes dans des secteurs fortement féminisés. Il nous a fallu reconnaître, comprendre et constater la grande pénibilité de ces métiers. Devoir s'adapter au rythme de vie des personnes empiète sur la possibilité de concilier vie professionnelle, personnelle et familiale. En raison des fortes exigences émotionnelles et de l'importance d'une charge mentale qui ne peut jamais s'arrêter aux frontières de l'espace de travail, les professionnels font face à des risques pour leur santé mentale qui peuvent être accrus par des organisations de travail peu ou pas adaptées et à la perte du sens de leur activité. La dématérialisation et la disparition de la présence humaine en proximité des personnes augmentent les situations d'agressivité. Cette augmentation des affects sociaux et de la violence est constatée par le CNLE, mais également par la Défenseure des droits. Il se traduit concrètement par des morts, au moins 3 l'année dernière, et des blessés, la semaine dernière à Bourges, lors d'une visite à domicile, et en février à Marseille, pour ne parler que de cela, dans une maison départementale. Ces professionnels exercent un métier à risque qui ne fait pourtant pas l'objet ni d'un comptage officiel, ni d'hommage officiel. Alors vous pourriez penser qu'en tant que rapporteur, je profite de cette tribune, je dramatise à outrance le sujet. Pourtant, les collègues de la commission Travail et Emploi qui se sont déplacés à Lyon avec moi pour rencontrer des résidents, leurs familles et les professionnels, ont constaté, ont ressenti une souffrance vive et intense. Tous souffrent de cette situation en silence. Alors, face à cette situation, le CESE propose de poursuivre 3 objectifs. Il nous faut tout d'abord, et rapidement, répondre à l'urgence de la pénurie de recrutement et répondre au malaise des professionnels. Il s'agit autant d'assurer une attractivité vis-à-vis de nouveaux professionnels que de nous assurer que les professionnels en poste ne partent pas car souffrant de conditions d'emploi et de travail trop difficiles. Il n'est pas possible d'envisager plus longtemps qu'un salarié débutant après 3 ans de formation, à temps plein, dont la moitié du temps sur le terrain, commence avec un salaire de 1 350 € net. Et que dire de ces professionnels qui, pris dans le temps partiel subi, travaillent indéfiniment pour un revenu en dessous du seuil de pauvreté? Le Haut Conseil du travail social estimait que les salaires ont décroché de 30% en 20 ans par rapport à l'évolution des salaires en France. Les points d'indice de certaines conventions collectives évoluent moins rapidement que le SMIC. Il devrait être de priorité nationale qu'aucun professionnel ne se sente vivre dans les mêmes difficultés que ceux dont il a la charge et qu'il accompagne au quotidien. C'est pourquoi notre première préconisation porte sur le nécessaire réinvestissement dans les salaires pour les augmenter de manière significative. Il est nécessaire de financer une hausse globale en commençant par assurer dès aujourd'hui que l'augmentation de 183 € annoncée par le Premier ministre en février soit effective dans tous les secteurs concernés, pour tous les professionnels d'un service ou d'un établissement, et qu'elle soit étendue aux professionnels des accueils collectifs de mineurs. Sur la base du guide de la Défenseure des droits sur l'évaluation non discriminante des emplois à prédominance féminine, le CESE invite les branches à reconsidérer les critères de classification des postes en prenant en compte la polyvalence des tâches, la technicité du relationnel, le caractère multidimensionnel des tâches effectuées, la prise en compte de la responsabilité sur des tiers et la reconnaissance de la pénibilité. Il nous faut également redonner la priorité au sens du travail dans les métiers de l'action sociale et éducative. La mise en tension des structures de l'action sociale et éducative conduit inexorablement à éroder les conditions minimales pour assurer la sécurité des personnes et la qualité du travail social et éducatif. Pris par le manque de moyens et la pénurie de personnel, l'optimisation des moyens restants devient une priorité, quitte à réduire le temps accordé aux personnes et aux groupes accompagnés. Or, il faut rappeler que les professionnels travaillent avec des situations de vie, avant de répondre à des besoins normés et standardisés. Ils ont besoin d'être qualifiés, d'avoir le temps de nouer des relations d'aide et de confiance, ça nous a été suffisamment rappelé lors des témoignages, et de travailler avec d'autres professionnels pour construire et adapter au quotidien leurs pratiques professionnelles. C'est le sens de la préconisation 6, qui appelle à interdire les limites de temps d'accompagnement prévues au sein des nomenclatures ou indicateurs de pilotage. De la préconisation 7, qui propose de renforcer les taux d'encadrement ou de les créer, et les ratios de personnel qualifié, ce qui va également dans le sens de la mission flash sur les EHPAD. C'est la préconisation 8 qui appelle les financeurs publics à considérer tous les temps de travail comme productifs et donc à inscrire dans les règlements d'intervention le financement de temps d'analyse, de partage d'informations et de préparation individuelle comme collectif. La participation des professionnels et des personnes accompagnées à la définition du projet de fonctionnement et l'organisation de la qualité de vie et des conditions de travail mérite d'être renforcée et assure dans la durée le sens du travail. C'est une demande des salariés, des personnes accompagnées et de leurs proches aidants, mais aussi des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Et si cet avis propose de renforcer les espaces de dialogue et de concertation, ou d'en construire de nouveaux, il porte dans sa préconisation 11 le souhait que les professionnels puissent participer aux instances décisionnelles, au conseil d'administration des structures associatives employant plus de 50 salariés, dans les structures sociales, médico-sociales, socio-éducatives et socio-culturelles. Face à la prolifération des critères quantitatifs ou de cotation qui ne peuvent permettre de suivre la réalité du travail et des besoins, le CESE, dans sa préconisation 12, appelle à transformer la culture de l'évaluation à partir des travaux déjà réalisés par les acteurs de terrain et les expérimentations conduites par l'AVISE au niveau national et européen. Ceci doit conduire au renouvellement des indicateurs utilisés lors de l'instruction des demandes budgétaires des opérateurs. Les frais résultant de la mise en œuvre d'études d'impact commandées aux opérateurs doivent eux aussi être pris en charge. Les modes de contractualisation et de tarification de l'activité ont été profondément complexifiés et remaniés pour s'appuyer sur des critères budgétaires, d'activité, de fréquentation ou d'actes. Or, cette complexité embolise le temps de travail des directions et managers, réduisant d'autant leur présence et leur accompagnement des professionnels de terrain. La complexité des circuits de financement et de contractualisation doit être assumée par les collectivités territoriales et l'État, et pas par les gestionnaires. C'est pour cette raison que la préconisation 15 propose de simplifier et réinventer la contractualisation des opérateurs en construisant un contrat unique d'objectifs et de financement de l'utilité sociale qui se substituerait au CPOM et aux modalités de contractualisation existantes. En appui d'une évaluation des changements souhaités et de l'utilité sociale recherchée, ces contrats auront également pour objet de garantir la participation sociale des usagers à leur vie, à leur quartier, à leur village ou à leur ville, l'amélioration des conditions de travail et d'emploi, de formation et d'accueil des stagiaires ou des nouveaux professionnels pour assurer la relève, et le renforcement de l'autonomie, mais également des capacités d'innovation sociale des équipes professionnelles. Enfin, il nous faut anticiper l'évolution des activités en construisant les conditions d'une co-construction et en renforçant la formation continue. Les changements que nous proposons ici vont à rebours d'une logique qui s'est installée depuis de longues années. Elle a démontré quels pouvaient être ses effets, et elle se retrouve aujourd'hui en bout de course. Nous n'avons pas manqué d'ambition, et nous la porterons aussi longtemps qu'il le faut auprès des pouvoirs publics, du gouvernement et de la représentation nationale. Il n'y a pas de fatalité à la situation du moment que nous la repolitisons et ne la réduisons pas seulement à des mesures techniques, sectorielles ou conjoncturelles. Car, ces dernières années, l'action sociale et éducative est prise entre différentes orientations politiques qui ne se sont pas suffisamment débattues pour créer les compromis et les consensus nécessaires pour ajuster les moyens à nos ambitions et atteindre une cohérence qui facilite la mission des professionnels et redonne un sens à leur travail. Il nous faut mieux anticiper les évolutions à venir et leurs implications économiques, politiques, mais également sur les pratiques professionnelles. Ceci ne peut se faire que par le biais d'une co-construction permanente, un débat continu entre les pouvoirs publics, les financeurs, les gestionnaires, les professionnels et les personnes accompagnées. Et c'est tout le sens que nous mettons derrière les préconisations 16, 17 et 18. La préconisation 16 vise à décloisonner le pilotage des investissements sociaux et éducatifs. Le CESE propose que soit institué un conseil national à l'investissement social, à l'image d'autres conseils nationaux qui existent. Positionné auprès de la Première ministre, celui-ci aurait pour mission d'assurer l'articulation des travaux de prospective économique entamés, ou non, au sein des différents comités de filière, et de construire une stratégie cohérente pour l'ensemble des services d'intérêt généraux à vocation sociale, médico-sociale, éducative ou socio-culturelle. La préconisation 18 appelle à un renforcement du rôle du Haut Conseil du travail social et ses déclinaisons territoriales, afin de lui permettre au Haut Conseil et à ses déclinaisons de jouer un rôle d'aiguillon et de conseil auprès des collectivités locales, à commencer par les départements. Et pour ce faire, le Haut Conseil doit avoir les moyens de prendre en compte tous les métiers concourant au développement social et citoyen, assurer la transversalité entre les politiques sectorielles également. La préconisation 17 vise à créer un conseil scientifique permettant l'agrégation et la délibération scientifique sur les très nombreuses recherches en cours afin d'éclairer, évaluer et accompagner les expérimentations qui sont déjà en cours et à venir. Le financement d'un programme d'investissement d'avenir serait souhaitable pour accompagner les mutations profondes attendues du secteur. Ce conseil scientifique pourrait être rattaché auprès du Haut Conseil du travail social ou du Conseil national à l'investissement social. Le CESE estime qu'une loi de programmation pluriannuelle, enfin, viendrait appuyer des scénarios budgétaires et redonner une visibilité aux partenaires sociaux et aux gestionnaires d'activités. Enfin, le CESE s'est penché dès le début de son travail sur les enjeux relatifs à la formation. La baisse continue des étudiants, notamment ceux issus des formations, des diplômes d'État, d'éducateurs, de conseillers en économie sociale et familiale, d'assistantes de services sociaux et d'animateurs dans le DGEPS, est un signal d'alerte sur l'attractivité du secteur et la perte d'expertise. L'évolution à terme du nombre de personnes qualifiées pour répondre aux enjeux de demain est menacée. Néanmoins, une transformation radicale des diplômes d'État n'a pas paru pertinente. Ils sont aujourd'hui un socle singulier au niveau international, nous l'entendons, mais utile aux professionnels et à leur public. L'essor des certifications, notamment les BUT et les licences pro, aux mentions proches des intitulés de diplômes d'État, conduit cependant à brouiller les cartes, d'autant plus que ces diplômes ne sont pas soumis à l'avis des CPC concernés et donc à une cohérence ou à une concertation des partenaires sociaux. Si un procès en inadaptation des formations existe, le CESE pointe 3 constats forts et un besoin tout au long de son rapport pour sa préconisation 19. Premièrement, le peu d'investissement dans la formation professionnelle de certains métiers, souvent de niveau bac ou infrabac. Je pense aux AESH, aux assistantes familiales et aux accompagnants éducatifs sociaux, entre autres. Deuxièmement, le manque de cohérence et la nécessaire inscription des blocs de compétences dans les processus de formation qui transforment l'individu en professionnel. Troisièmement, le manque de blocs de compétences communs avec les professions de l'animation, qui ne sont par ailleurs pas inscrites au sein du Code de l'action sociale et des familles et ne possèdent pas de formation, de structuration de la formation initiale. Un besoin fort des professionnels se fait ressentir pour l'adaptation de leurs connaissances, renforcer leurs pratiques en pédagogie et leur éthique. Pour toutes ces raisons, le CESE demande au ministère certificateur des nombreux diplômes, et pas seulement les diplômes d'État, également les titres universitaires, d'actualiser et d'harmoniser ensemble les référentiels de formation par un travail conjoint des CPC et en s'appuyant sur les travaux du Haut Conseil. La procédure de VAE pourrait être rénovée et adaptée à ce secteur. La formation continue est essentielle à ces métiers pour favoriser la persévérance professionnelle, l'adaptation au poste et à l'évolution des connaissances et des compétences. Elle est aujourd'hui mise en difficulté par de vives tensions au sein des organisations, mais également par la modification des règles de financement de la formation et une offre relativement faible de certification complémentaire à la certification initiale. Pourtant, l'enjeu est de taille, car la formation initiale ne peut pas répondre à elle seule aux besoins spécifiques de chaque contexte de travail, de chaque besoin d'employeur. Les employeurs doivent pouvoir réinvestir dans des formations qui sont adaptées à leurs besoins, sans que la formation initiale ne soit chamboulée, pour autant. C'est pourquoi le CESE invite les partenaires sociaux, en partenariat avec la puissance publique, à investir dans un système de formation et d'adaptation et d'actualisation des compétences des salariés tout au long de leur carrière. Mesdames et messieurs, au moment de conclure cette présentation de quelques préconisations, d'un travail d'une centaine de pages que vous inviterez à lire, et de synthèse de consultation que vous pourrez observer sur le site, je me permettrai d'aller un petit peu au-delà du présent avis. Si nous avions pointé dès le début le manque de reconnaissance de ces professions lors de la période Covid, l'alerte pourrait être de même aujourd'hui. L'éducation nationale et le système de santé sont en crise. Et souvent, nous nous sommes dit, en commission, que nos constats y faisaient écho. Cependant, la réalité d'un pôle social, éducatif, autonome, avec ses tendances plus sociales, plus éducatives, mérite d'être pris en compte, considéré à sa juste valeur et mis en lumière au même niveau d'importance que l'éducation nationale et le système de soins, afin de ne pas risquer le désert social, le désert de l'accompagnement, le désert de la fraternité en acte. Il nous faut mobiliser le débat public pour garantir à notre pays un progrès humain, une cohésion sociale et à tous nos concitoyens la possibilité de vivre dignement et librement leur vie. Merci. Merci au rapporteur Évan. C'est le moment de l'intervention des groupes. J'invite les oratrices et les orateurs à être attentifs au chrono, puisque le micro sera automatiquement coupé au bout de 3 minutes. Le premier intervenant pour le groupe de l'UNSA et Jean-Marie Truffat, c'est Patrick Lévives qui lui succédera. Jean-Marie. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission Travail et Emploi, Monsieur le rapporteur, chers collègues, Mesdames, Messieurs, alors que les métiers de la cohésion sociale ont été fortement sollicités depuis 2 ans, sans être vraiment reconnus pour leur utilité, la Commission Travail et Emploi a fait le choix de traiter ce sujet en prenant en compte la parole des professionnels. C'est un changement de paradigme dont on parle plus souvent, des dispositifs en place que du mal-être des professionnels en charge de les mettre en œuvre, quel que soit le lieu d'exercice de la profession, dans le public, le privé ou le secteur associatif. Même si les circuits sont différents, l'avis aurait gagné à préciser davantage cela, car les personnels nombreux exerçant dans les 3 fonctions publiques ne doivent pas être les oubliés de l'histoire. Ils rencontrent les mêmes difficultés en matière d'information, de formation continue, de rémunération. Plusieurs préconisations répondent à l'urgence dans ce domaine, puisque le fil conducteur concerne la structuration des emplois et l'attractivité des métiers, tout en ouvrant la réflexion sur des métiers de l'intervention sociale non encore codifiés dans la sphère du travail social. Dès les premières préconisations, l'avis démontre sa volonté d'apporter des réponses opérationnelles au monde d'attractivité, ainsi que de donner un sens au métier. L'avis cible des mesures faciles à mettre en place rapidement, en levant des freins dus à certains dispositifs ou en innovant avec des propositions adaptées aux besoins actuels. L'UNSA estime important de renforcer les ratios de personnel, tant en taux d'encadrement qu'en taux de professionnels qualifiés, car c'est la base pour rendre un service de qualité et prévenir les risques psychosociaux. Par ailleurs, nous soutenons les préconisations développant un meilleur dialogue social indispensable pour porter à tous à tous les niveaux utiles, les besoins des invisibles. L'UNSA n'est pas opposée à la mise en place d'un Conseil national de l'investissement social, placé auprès du Premier ministre, mais nous pensons qu'il devra interroger toutes les politiques et les professionnels participant au développement humain, santé, éducation, urbanisme, parentalité, et mieux articuler avec le rôle du Haut Conseil du travail social, exclusivement dédié au travail social et non aux politiques sociales. Certes, l'évolution des missions du HSTS est souhaitable, mais il sera nécessaire d'intégrer dans la réflexion des comités locaux du travail social et du développement social, car autrement, les questions de faisabilité, de légitimité, interféreront du fait qu'ils sont à la main des collectivités territoriales. Leur diversité correspond aux diversités des territoires. Aux politiques et décideurs de s'emparer désormais de ce travail pour rendre ce modèle social encore plus opérant et valorisant pour tous les acteurs. Sophie, Évan. Merci Jean-Marie, merci. La parole est à Patrick maintenant. Merci. Patrick Lévy-Vez pour le groupe Agir autrement pour l'innovation sociale et environnementale. C'est Étienne Gagneron qui lui succédera. Oups. Monsieur le Président, Madame la Présidente, chère Évan, d'abord et avant toute chose, cet avis est un avis emblématique, car il permet au CESE de porter sa voix à une évidence. Depuis le Covid, on redécouvre ceux dont on dit qu'ils sont le back-office de notre société, ces métiers oubliés, ces invisibles, qui, selon une enquête que nous avions réalisée à la Fondation Travailler Autrement, sont, excusez du peu, 13 millions de Français. Ceux qui sont des travailleurs de la deuxième ligne, ceux qui, à plus de 40%, estiment qu'ils sont sous contrainte, qu'ils ont à peine de quoi vivre, ceux qui ne trouvent plus de sens à leur travail quotidien. C'est donc tout à l'honneur du CESE, et singulièrement à la Commission Travail et Emploi, de réaliser un avis qui lui permet de mettre en lumière une réalité que personne ne peut considérer comme acceptable, celui des métiers de la cohésion sociale. Sur la forme, la construction de cet avis est exemplaire. Il est exemplaire selon nous, tant l'implication, les formes innovantes d'organisation des débats, l'interaction avec les acteurs fut riche et révélateur des enjeux. Il est résultat aussi du travail exceptionnel qu'a réalisé le rapporteur à travers son engagement, sa bienveillance, son écoute et son efficacité. J'aimerais que notre Assemblée puisse saluer Évan à la hauteur du travail qui fut le sien avec toute l'équipe d'administrateurs qui l'ont accompagné. Notre groupe propose d'ailleurs qu'un document reprenne ces bonnes pratiques et qu'il soit réalisé et qu'il serve de guide aux futurs rapporteurs. Sur le fond, cet avis est remarquable puisque dans ce nouveau CESE, nous avons décidé d'être plus court et plus efficace, vous l'aurez compris, nous voterons le texte et nous n'aurons aucune réserve sur l'avis. Nous aimerions néanmoins formuler un vœu, mettre en avant une proposition, celle qui consiste à adopter une loi de programmation des métiers de la cohésion sociale. Au fond, si nous gagnons la bataille de la loi de programmation, nous embarquerons par voie de conséquence tous les autres combats, nous installerons par voie de conséquence ces métiers au cœur des décisions, une rencontre de la société et du Parlement avec ces hommes et ces femmes si essentiels à la cohésion du pays. Ce serait réinscrire au cœur de notre pacte républicain la nécessité de s'occuper de ceux qui ont pour mission d'aider les plus vulnérables, les plus modestes, les plus âgés ou ceux qui sont meurtris par la vie. Notre groupe souhaiterait que cette loi de programmation singulière soit portée avec force et nous proposons qu'au-delà du travail du rapporteur, le président du CESE puisse porter médiatiquement cette proposition. Merci. Merci Étienne Gagneron pour le groupe de l'agriculture. Cécile Gondard-Lalanne lui succédera. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, Le rapport que nous avons élaboré au sein de notre commission présente un panorama très complet des métiers du social. Un panorama qui révèle toutes les difficultés auxquelles est confronté ce secteur. La tonalité peut apparaître pessimiste tant les obstacles sont nombreux avant de pouvoir améliorer la situation. Malgré tout, nous avons des raisons de rester optimistes. Les échanges que nous avons pu avoir avec des acteurs de terrain lors des déplacements et de la journée délibérative organisée au CESE nous ont donné à voir et à entendre des femmes et des hommes engagés dans leur métier, soucieux du bien-être des personnes accompagnées et désireux de toujours mieux faire. En milieu rural, l'accompagnement de tous ceux qui en ont besoin est essentiel, notamment dans les zones les moins peuplées. Les métiers de la cohésion sociale sont bien évidemment une préoccupation de premier plan pour les acteurs de la ruralité, en particulier pour une population vieillissante, isolée et parfois dépendante. Il faut pouvoir répondre à la demande croissante de maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie. Seuls les métiers de la cohésion sociale permettront de relever ce défi. Pour les plus précaires, des actions d'accompagnement sont absolument indispensables. À ce titre, la Mutualité sociale agricole conduit une action sociale sur l'ensemble du territoire et emploie des intervenants sociaux. L'enseignement agricole consacre une partie de ses formations aux travailleurs sociaux. Les diplômes obtenus sont de différents niveaux et permettent d'accéder à différentes responsabilités. Enfin, les organisations du milieu rural travaillent sur ce sujet en partenariat avec de nombreux acteurs. Je citerai en particulier l'ADMR, l'aide à domicile en milieu rural. Le groupe Agriculture partage les convictions de notre rapporteur. Il faut soutenir et améliorer ce secteur des métiers de la cohésion sociale. Plusieurs leviers doivent être actionnés, comme le propose l'AVI, revaloriser les rémunérations, améliorer les conditions de travail, renforcer les formations, notamment tout au long de la vie, font partie des axes forts. Nous avons toutefois bien compris au cours de nos travaux que selon les métiers, les degrés de responsabilité, les personnes accompagnées et les territoires, les préconisations devraient être adaptées. Il nous semble tout à fait important que les élus locaux aussi s'impliquent encore plus dans la politique sociale de leur territoire pour répondre au plus près des besoins de nos concitoyens les plus fragiles. Cette implication doit se faire en partenariat avec l'ensemble des acteurs de ces territoires, mais aussi avec les usagers eux-mêmes. La cohésion sociale de nos territoires doit être l'affaire de tous. Et donc, le groupe Agriculture votera en faveur de cet avis. Merci. Merci. Cécile Gondard-Lalanne pour le groupe Alternative Sociale et Écologique. Jean-Christophe Repond se prépare. Bonjour. Alors autant le dire tout de suite, hein, notre groupe votera cet avis, comme ça, bon, ça c'est fait. On est satisfait tant sur le fond que sur la façon dont ce travail a été mené. Son sujet touche en effet à des valeurs fondamentales, accès à l'autonomie, protection, inclusion sociale, participation de toutes et de tous, à la citoyenneté, émancipation. Majoritairement exercés par des travailleuses, ces métiers souffrent de maux qui sont pourtant loin d'être insurmontables. En s'attachant à les nommer, le rapport et l'avis présenté nous entraînent dans des secteurs professionnels qui ne doivent surtout pas être dominés par une gestion comptable qui empêche des prises en charge adaptées pour des accompagnements de personnes dont les histoires et les situations sont autant de ressources que de freins à leur émancipation. La Commission a donné la parole à nombre de professionnels, deux LE pour Jean-Marc, que notre groupe salue. Il et elle, et elle, pour Jean-Marc, nous ont souvent parlé de souffrance, de travail difficile, de temps trop restreint, ne permettant pas la construction d'un relationnel basé sur la confiance, de professionnels qui manquent cruellement, trop cruellement, mais aussi de fierté, de sens et de non-sens, de relations humaines, de pratiques collectives, de créativité et de besoin de reconnaissance. Ces quelques mois passés avec elles et eux, elles auront été marquants à plus d'un titre, en expérimentant une nouvelle forme de participation du public à nos travaux, en allant vers, en travaillant avec. La Commission a ainsi pu être alimentée par des expériences de terrain. Ces expériences sont venues concrétiser, effectivement, les analyses issues des auditions, mais surtout, elles nous obligent. Car il ne suffit pas de s'intéresser au travail social, encore faut-il viser, et ce, quoi qu'il en coûte, la cohésion, l'inclusion, l'émancipation qu'il favorise et de ce fait bannir les limites auxquelles il est confronté pour tous les métiers qui y participent. Les préconisations qui en découlent sont nombreuses, mais elles sont largement accessibles. Certaines demanderont du temps, même s'il y a urgence. Il s'agit de pistes essentielles pour relancer dans notre société toute l'importance d'un faire ensemble, quel que soit son parcours de vie, en assurant aux personnes qui accompagnent celles qui en ont besoin les moyens de le faire, parce que ces métiers participent à la solidarité et à l'inclusion. Merci. Merci à toi, Évan. Merci. Jean-Christophe Repond pour le groupe Artisanat et Profession libérale. C'est Jean-Marc Boivin qui lui succédera. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Sophie Erwan, merci pour cet avis et ce rapport. Améliorer la vie quotidienne des personnes âgées ou en situation de handicap, protéger les mineurs ou les majeurs vulnérables, la liste est longue des activités de l'accompagnement qui participent à la cohésion sociale et qui restent bien souvent à l'ombre des projecteurs. Chacun de nous a pourtant l'occasion d'en mesurer la réalité dans son quotidien et le caractère essentiel à une période de sa vie. La vie qui nous a été présentée nous alerte sur les difficultés que connaissent les métiers du social dans la manifestation concrète s'exprime par une pénurie de personnel qui n'a cessé de croître ces dernières années. Les conséquences en sont catastrophiques, tant sur les conditions de travail des professionnels que sur la prise en charge des personnes accompagnées. Plusieurs rapports ont alerté sur la faible attractivité et la désaffection de ces métiers sans toutefois réussir à inverser la tendance. Nous ne pouvons pas attendre que des situations dramatiques soient médiatisées et se multiplient. Déjà, les besoins des personnes comme des familles ne sont pas pleinement satisfaits et demain, les attentes vont être exponentielles avec le vieillissement de la société. L'avis répond à cet enjeu en partant de l'analyse des difficultés identifiées par les professionnels eux-mêmes. Grâce à la plateforme consultative et à la journée délibérative qui ont pu nourrir des réflexions, nous saluons cette méthode originale de co-construction. Quelles sont les principales conclusions que nous retenons? Tout d'abord, l'exigence d'une reconnaissance salariale de ces métiers. C'est un impératif pour stopper le mouvement des démissions et des difficultés de recrutement. Ensuite, répondre au malaise, à la démotivation, voire au découragement des professionnels qui sont contraints de délaisser les temps d'échange entre pairs avec les usagers au profit d'un surcroît de tâches administratives, de gestion et de reporting. S'il est normal que les établissements sociaux et des objectifs d'efficacité et qu'ils répondent et qu'ils rendent compte à leurs financeurs publics, cela ne doit pas se faire au détriment de la qualité des services. Le groupe de l'artisanat et des professions libérales est d'accord, il faut inverser la logique qui préside à la tutelle, au financement, à la contractualisation et au contrôle des établissements. Il faut partir du diagnostic des besoins d'un territoire pour déterminer les objectifs à atteindre et les moyens correspondants. Oui, il faut davantage prendre en compte la dimension qualitative et l'impact social des services rendus. Nous soutenons les préconisations en ce sens, y compris celles visant à attirer des candidats vers ces métiers, quels que soient les niveaux de qualification. Nous voulons également souligner qu'au-delà des seuls métiers du social, les besoins vont aller croissant pour répondre aux souhaits du maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie, avec des enjeux en termes d'accompagnement par les professions libérales de santé ou l'adaptation des logements par les artisans du bâtiment. C'est pourquoi il nous semble fondamental que l'anticipation des investissements sociaux pour les prochaines années et qui est proposée par l'avis s'inscrive bien dans une vision complète des besoins de la société. Sous cette réserve, nous voterons. Merci beaucoup. Jean-Marc Boivin, pour le groupe des associations, c'est Nathalie Cagneux qui lui succédera. Monsieur le Président, chers collègues, selon l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison, de conscience et doivent agir les uns vers les autres dans un esprit de fraternité. Cette déclaration encourage la protection, le progrès social et de meilleures conditions de vie pour chacun comme un devoir de notre société. Pourtant, certains sont plus ou moins privés de liens sociaux pour des raisons personnelles, sociales, parce que différents, en difficulté pour entrer ou rester en relation avec les autres, ponctuellement ou durablement. de toutes conditions physiques, psychologiques, matérielles, de tous âges. Ils sont marginalisés, voire exclus de la communauté, parce que leurs différences, leur situation de vie, leurs us et coutumes nous dérangent ou bousculent des ordres établis. Dès lors, ils dépendent de professionnels qui assurent un accompagnement dont la finalité première est de permettre à chacun de trouver sa place dans la société et de réaliser son projet de vie. Ces personnes sont aujourd'hui des professionnels en souffrance, faute de reconnaissance sociale et professionnelle, de manque de moyens, de perte de sens et de trop nombreuses normes administratives et comptables. Le secteur associatif est sans doute le premier concerné par cette crise, puisque principal pourvoyeur d'emplois, mais aussi par l'existence et l'activité de nombreux réseaux militants. Tout a été dit dans le projet d'avis qui nous a été présenté, et la majorité de ces préconisations relèvent de priorités nationales. Le sens et la place donnée aux professionnels doivent être valorisés, parce que ces métiers sont indispensables à toute société qui se pense développée. En fait, il relève aussi d'un choix politique collectif pour répondre aux attentes de chacun, car n'oublions pas que nous sommes ou serons tous concernés potentiellement. C'est un investissement financier et non une dépense absolument nécessaire et urgent, à l'instar de ce qui est fait pour l'éducation, la santé, la culture ou les loisirs. Et pourquoi cet effort d'investissement est-il régulièrement remis en question lorsqu'il s'agit de personnes dites fragiles, à charge? Investir dans ce secteur à haute valeur sociale ajoutée passe par des dispositifs de formation et de rémunération rénovés et surtout adaptés aux défis de notre époque en pleine mutation. Notre groupe, bien sûr, votera ce projet d'avis. Toutes les préconisations sont justes pour reconnaître le rôle central des professionnels, pour accompagner les familles et plus encore pour réaffirmer la dignité de tout être humain. La dignité humaine ne se négocie pas. Merci Nathalie Cagneux pour le groupe de la CFDT. Véronique Biarnaix-Roche en suivant. Monsieur le Président, chère Sophie, chère Évan, pour ce rapport et cet avis, la Commission a su se saisir de ce qui est attendu du CESE en matière de participation citoyenne. Cette participation a enrichi la vie et nous devons la valoriser d'autant plus dans le contexte politique actuel. Des avis nombreux du CESE ont mis en exergue les métiers de la cohésion sociale et l'urgence de la situation. L'hôpital, les maisons de retraite, les métiers du domicile, la pauvreté, les jeunes en difficulté, les personnes vivant dans la rue. Que faut-il pour que la société civile soit entendue? Ne nous trompons pas, les métiers de la cohésion sociale, c'est l'humain. Les travailleurs sociaux sont au cœur de notre société. Nous avons tous recours à leur savoir-faire. C'est Claude, Dominique ou Camille qui vont m'entendre, m'écouter, raconter mon problème, raconter ma vie. Mais elles sont pressées, je le sens. Je dois leur répondre vite. Mes numéros, mes codes, mon mail. Pour la CFDT, ce sujet est avant tout celui du sens et de la solidarité en action. Redonner du sens en redonnant du temps disponible à l'essentiel. Toutes les réponses sur la plateforme participative du salarié étudiant formateur à l'usager parlent d'abord du manque de temps pour la relation à l'autre. Toutes. C'est édifiant, non? Tout système de financement, de régulation, d'organisation, de rentabilité, d'efficience, qui voudra standardiser le temps de la relation à l'autre, échouera. Le temps de la relation, de la confiance, est le cœur du travail social. C'est un accompagnement de long terme qui nécessite de suivre l'usager à plusieurs et de prendre le temps de parler et d'échanger sur son parcours avec d'autres. Ce temps doit impérativement devenir la garantie de la qualité. Ce n'est pas un service à la personne. Alors, nous devons nous attacher à redonner du sens et du temps pour la réflexion, redonner du sens en prévenant la pénibilité, redonner du sens par la formation initiale et continue, redonner du sens à l'utilité sociale de ces personnels par une amélioration de leur rémunération. Pour la CFDT, la cohésion sociale est un impératif, un ciment, un socle de démocratie. Elle se caractérise par l'étendue de son périmètre d'activité et la multiplicité des acteurs. Mais l'empilement progressif des modes de gouvernance et de financement ont fini par rendre illisibles les objectifs des politiques publiques de l'action sociale. C'est le second sujet de préoccupation sur la plateforme, tout répondant confondu. Les préconisations de cet avis s'inscrivent dans ces préoccupations exprimées. La CFDT votera ce projet d'avis. Merci. Véronique Biarnaix-Roche pour le groupe CFE-CGC. Anne Chatin lui succédera. C'est accroché pour... Voilà. En premier lieu, nous souhaitons remercier les rapporteurs et l'administration de la Commission pour le travail de qualité qui nous est présenté. Notre groupe souhaite également souligner l'importance de sortir du CESE pour aller vers les professionnels des secteurs concernés pour nos travaux. Ainsi, le groupe CFE-CGC salue l'organisation d'une rencontre entre une délégation de la Commission et les professionnels d'un établissement médico-social à Lyon. Assurément, cette expérience devra être répliquée pour d'autres saisines, tant ces échanges permettent d'ancrer davantage nos propositions dans la réalité du terrain. Le constat dressé révèle notamment la nécessité d'harmonisation des droits et une lutte contre le dumping social afin de remettre l'humain au cœur des préoccupations. Par ailleurs, se dégage l'évident décalage entre l'utilité sociale et la reconnaissance concrète des acteurs de métier et de la cohésion sociale. Être mieux reconnu, c'est renforcer la qualité de l'accompagnement et des soins donnés. Le groupe CFE-CGC plaide par ailleurs pour la mise en place et la mise en œuvre de mesures d'amélioration de la qualité et du sens du travail. Cela passera par une urgente revalorisation des salaires de tous les acteurs du secteur, la prise en compte et la reconnaissance pour la future retraite, mais également pour lutter contre la précarité. De plus, notre groupe s'attache particulièrement au développement de l'apprentissage, de la formation et de la reconnaissance des compétences acquises et de la reconversion professionnelle. Ainsi, nous nous retrouvons dans l'avis proposé et plus particulièrement dans la préconisation 1 relative au réinvestissement et à la revalorisation salariale, la préconisation 2 relative à l'abrogation des dispositions permettant la non-opposabilité des conventions collectives, la préconisation 3 relative au lancement des campagnes de recrutement et de formation, notamment en alternance, la préconisation 11 relative à la garantie d'un niveau d'encadrement adapté en fonction des besoins et des prestations. Il me reste 1 minute 22 pour vous dire que notre groupe va voter l'avis. Et bravo. Et courage. Merci, merci Anne Chatin pour le groupe de la CFTC. Michel Chez lui succédera. Monsieur le Président, chers collègues, faire le point sur les métiers de la cohésion sociale dans un contexte de dégradation du tissu social et d'augmentation des besoins de couverture de la population, tel est le vaste et complexe chantier auquel s'est attelée la Commission Travail-Emploi à l'initiative d'Évan Jeanne-Rose. Vaste par l'universalité et l'étendue des métiers, tel que tous nos concitoyens auront un jour besoin d'y recourir, vaste par le nombre de professionnels, plus d'1 million, et de personnels accompagnés. Complexe par le nombre de ministères et de collectivités territoriales impliquées, la pluralité des conventions collectives, la multitude de formations, une succession de politiques publiques et, non des moindres, l'empilement des financements. En allant à la rencontre des personnels et des personnes aidées et en ouvrant une plateforme participative, la Commission a produit un avis et un rapport d'une grande richesse et un puissant verbatim qui souligne la dégradation de la situation et l'urgence d'agir en profondeur. Pour agir en simplification, améliorer la qualité du service rendu aux usagers, les conditions de travail des personnels et renforcer l'autonomie de tous, la CFTC souscrit à l'ensemble des préconisations, en particulier la préconisation 16 qui en appelle à renouveler le dialogue et mieux piloter les moyens alloués aux services et établissements. Les conditions dans lesquelles les professionnels doivent accomplir leur mission sont à ce point abîmées que malgré la fierté et la conscience professionnelle, le manque de temps à consacrer à l'accompagnement, à la transmission entre les équipes, empêche le travail et l'épanouissement des aidants comme des aidés. Le rapport dénonce ce travail empêché, un travail à forte sinistralité, très féminisé et de plus en plus précarisé, un travail devenu bureaucratisé à outrance par des tâches administratives basées sur une logique quantificative de recherche de financement, une logique qui a déjà mené au scandale des EHPAD. La CFTC soutient fortement la préconisation 7 qui réhabilite le temps nécessaire à l'accomplissement des tâches en fonction du besoin de chaque personne. Il y a pour nous tous une nécessité vitale de rendre leur attractivité à ces métiers riches et au professionnalisme mal reconnu, de susciter l'engouement pour les formations et de faciliter les recrutements, mais aussi de corriger la frustration née des dispositions clivantes du Ségur de la santé. La CFTC insiste sur la première préconisation favorable à une revalorisation urgente des salaires et des meilleures conditions de travail. Enfin, la CFTC adhère pleinement à la préconisation 17 qui vise à la mise en œuvre d'une politique publique définie sur la durée d'un mandat législatif. La CFTC votera cet avis et remercie sincèrement la Commission, sa présidente, ainsi que le rapporteur et les administrateurs. Merci Michel Ché. Pour le groupe de la CGT, c'est Sylvia Vettel qui lui succédera. La CGT tient à souligner la qualité de ses travaux. Le rapport et l'avis permettent de mettre en lumière ces métiers indispensables à la cohésion sociale, dans lesquels s'engagent des travailleuses et travailleurs auprès des personnes les plus vulnérables. Les unes et les autres sont trop souvent rendues invisibles dans une société où la réussite financière et la performance sont devenues la norme. Cet avis nous parle à toutes et à tous, tant il est traversé par le caractère universel du besoin de reconnaissance. Il nous parle car irrigué des témoignages des salariés portés par leur volonté à bien faire leur travail afin d'y retrouver le sens du métier et les valeurs humanistes. Ces témoignages mettent en évidence le mal-être du travail empêché par les injonctions paradoxales, la technicisation et la financiarisation de l'intervention sociale au détriment de la relation à l'autre. Autant d'atteintes à la déontologie et à l'éthique de ces professionnels qui ont pour conséquence souffrance au travail, usure précoce, qui conduisent au renoncement et à de nombreuses démissions. Ce rapport est un porte-voix des sans-voix, rencontrés notamment lors du déplacement à Lyon. En effet, nous l'affirmons, celles et ceux qui savent sont toujours celles et ceux qui font. Merci à Évan, à l'administration et à la présidente de la Commission d'avoir organisé ces rencontres. Nous partageons l'ensemble des constats. Si nous voulons inverser cette tendance de pénurie des emplois et des vocations, il est aussi indispensable de sortir d'une représentation genrée de ces métiers pour que les évolutions de carrière soient plus égalitaires. Ce rapport nous invite à prendre la mesure de ces multiples difficultés. Mais ce travail n'est pas que constat, il est force de proposition pour des transformations profondes. Les 20 préconisations que nous ne détaillerons pas portent une cohérence et répondent, au que faire. Pour cela, elles devront trouver leur prolongement en termes de financement du national au territoire et quel que soit le statut des salariés, privés ou publics. Avec, sans attendre, la mise en œuvre de la préconisation 1, qui affirme le besoin d'augmentation des salaires. J'appelle à la clémence du micro, naturellement. Merci. Alors, sans attendre, la mise en œuvre de la préconisation 1, qui affirme le besoin d'augmentation des salaires et de rendre justice aux salariés en leur appliquant la prime Ségur sans condition. Cet avis nous invite à construire une espérance qui appelle l'exigence d'un changement profond de comportement pour soi et au service du collectif. Le gouvernement serait très inspiré de s'en saisir immédiatement pour agir, car nous ne pouvons plus nous satisfaire des mots sans la demain. Vous l'aurez compris, la CGT votera l'avis sans réserve. Pardon. Merci Sylvia Vettel. Pour le groupe CGT-FO, Christophe Grison en suivant. Merci. encore un petit peu. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillères et conseillers, le groupe Force Ouvrière tient tout d'abord à remercier le rapporteur, cher Évan, la présidente de la commission Travail et Emploi, chère Sophie, ainsi que tous les membres de l'administration et l'ensemble des conseillers pour le travail particulièrement riche et dense qui nous a permis d'aboutir aujourd'hui devant vous à présenter ce projet d'avis que nous avons finalement convenu d'intituler « Les métiers de la cohésion sociale ». Nous tenons également à remercier tous les professionnels, les salariés, les bénéficiaires qui ont bien voulu apporter leur contribution tant à travers la plateforme dont on vous a parlé, ainsi que lors de la journée délibérative. Nombre d'entre eux nous ont fait part de la perte de sens, de valeur dans leur métier, et ceci depuis plusieurs années. Une telle situation résulte selon nous d'un sous-investissement chronique dans les métiers du social, dont tout le monde sait pourtant et a conscience qu'ils sont prégnants dans notre société et pour notre avenir. En ce sens, le rapport et l'avis relèvent la dégradation des conditions de travail, l'existence de bas salaires et la perte de pouvoir d'achat subie par les salariés de ces secteurs. Aussi, Force Ouvrière soutient tout particulièrement les préconisations relatives au réinvestissement, aux revalorisations salariales, mais aussi celles relatives à l'abrogation des dispositions autorisant la non-opposabilité des conventions collectives. À cet égard, Force Ouvrière demande que toute sa place soit laissée, redonnée à la négociation collective menée par les interlocuteurs sociaux des secteurs concernés et que soient abandonnées les velléités de certains de fusion de conventions collectives dans le but unique de mettre à mal les garanties conventionnelles. Force Ouvrière reste attachée aux diplômes d'État et aux grilles de classification négociées et reconnues dans chaque convention collective. Cette reconnaissance permet pour nous d'avoir un niveau de salaire garanti, même s'il est encore largement insuffisant, également une égalité de traitement femmes-hommes et une ancienneté reconnue. Force Ouvrière votera sans réserve l'avis. Merci. Merci. Christophe Grison pour le groupe de la coopération. Olivier Ruchenstein lui succédera. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le constat de la dégradation continue des conditions d'accompagnement des personnes les plus vulnérables de notre société est implacable. Et pour cause, le secteur traverse depuis des années déjà une profonde crise, et ce, dans tous les territoires. Confronté à des tensions de recrutement particulièrement fortes, près de 65 000 postes y sont aujourd'hui non pourvus, ces métiers de l'humain y sont pourtant si indispensables à notre système de solidarité, manque cruellement de reconnaissance. Afin de juguler la situation, il apparaissait urgent de réunir l'ensemble des parties prenantes, professionnelles, personnes accompagnées, formateurs, formatrices ou encore étudiants ou étudiantes des métiers du secteur social, afin de co-construire des réponses pertinentes et durables. C'est bien dans cet esprit qu'a travaillé la commission de travail et emploi ces derniers mois, avec, en sus des nombreuses auditions menées, l'association de plusieurs CESE, la mise en place d'une large consultation en ligne et l'organisation d'une riche journée délibérative. Convaincus par l'efficacité des outils participatifs pour répondre aux enjeux de notre époque, nous tenons à saluer cette méthode collaborative qui peut que renforcer le bien fondé des préconisations formulées. Les débats menés ont affirmé la nécessité d'un véritable changement de regard sur les métiers de la cohésion sociale, afin que leur financement soit enfin reconnu comme des investissements pour la société et non comme des charges financières à circonscrire, que leurs salaires et rémunérations soient valorisés, que leurs conditions d'exercice soient améliorées, que leurs risques soient mieux définis et donc mieux prévenus, que leur classification et formation soient construites de telle sorte à favoriser des parcours professionnels ascendants et qu'ils permettent la conciliation de la vie familiale avec la vie professionnelle. En cela, nous soutenons sans réserve les trois axes du présent projet d'avis déclinés en 20 préconisations opérationnelles qui nous paraissent répondre à la nécessité d'une vision politique de long terme à la hauteur des nombreux bénéfices de ces métiers qu'apporte la cohésion à notre société. Nous voterons donc favorablement et remercions le rapporteur ainsi que toutes les parties prenantes pour ce précieux travail et nous l'espérons inspirera les prochaines politiques publiques sociales. L'énergie collective déployée a produit ses pleins effets, comme l'appelait de ses voeux en février dernier, l'ancien Premier ministre Jean Castex. Exhortons à présent de ces changements concrets. Et j'en profite puisqu'il me reste 30 secondes pour me remercier aussi les intervenants de la table ronde pour leur témoignage. Merci à vous. Merci Olivier Hochstein pour le groupe des entreprises. Monsieur le Président, cher Thierry, Monsieur le rapporteur, cher Évan, dans cet avis présenté aujourd'hui, le groupe des entreprises tient tout d'abord à saluer la méthode constructive d'acculturation et d'ouverture de la société civile. Consultation citoyenne par une plateforme, rencontre avec divers professionnels du secteur. Un état des lieux a ainsi pu mettre en exergue les défis auxquels les pouvoirs publics et les acteurs de ces secteurs doivent répondre, et ils sont multiples. Le groupe des entreprises, néanmoins, Le groupe souligne néanmoins que pour favoriser la création et le développement des emplois et pour valoriser les métiers de la cohésion sociale, il est nécessaire de porter un regard global sur les conditions de la rémunération et de se poser la question générale du financement. Celle-ci dépend de la volonté des pouvoirs publics de contribuer à la solvabilisation de ces enjeux, non seulement en termes d'emploi, mais aussi en réponse aux besoins sociétaux. Cela implique, à notre sens, une plus grande reconnaissance, la valorisation des compétences, des parcours et des filières de ces professions. Le groupe des entreprises approuve donc le développement de formations certifiantes ou toute mesure permettant d'accompagner et sécuriser les projets de transition et reconversion professionnelle. Il ne le soulignera jamais assez, la formation initiale et continue sont les talons d'Achille français et les dispositifs pour les faciliter sont sous-dimensionnés et trop complexes à mobiliser. Améliorer les conditions d'exercice de ces métiers et le dialogue social est ainsi un impératif. Cependant, le groupe entreprise estime que l'obligation de consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévues par le Code du travail permet déjà de traiter les thèmes relatifs à l'organisation des temps de travail et à l'accompagnement pour améliorer tant la qualité de service que les conditions et la qualité de vie au travail. Il n'est pas nécessaire de prévoir de nouvelles dispositions applicables exclusivement au secteur de la cohésion sociale, au risque de les compliquer. Le groupe entreprise soutient pleinement une meilleure organisation territoriale de la création et du suivi de ces emplois, définir au plus proche les territoires des objectifs de formation et d'orientation au service des personnes et des employeurs est un impératif et le sujet est complexe. Un regret simplement, il traite cet avis insuffisamment de l'efficience de l'action publique. Nous remercions le rapporteur pour son écoute, l'ensemble de la commission et le groupe entreprise votera favorablement cet avis. Je vous remercie. Merci. Agathe Hamel pour les groupes Environnement et Nature et Organisations étudiantes et Mouvements de jeunesse. C'est Claudie Kulak qui lui succédera. Nous allons voter ce texte. On a aussi envie de récupérer Évan. Apparemment, et contre toute attente, selon une éminente étude américaine, il semblerait que pour être en capacité de prendre soin des autres, il faille, entre autres, avoir le temps de se regarder, avoir le temps de s'écouter, avoir le temps de se parler. Pourtant, dans notre réalité, c'est la logique numéraire qui guide en grande partie l'évaluation du secteur social et éducatif. Or, si nous ne savons pas calculer ce qui n'a pas de valeur monétaire à court terme, alors comment faire entrer des concepts si complexes que regarder, écouter, parler dans nos tableaux de gestion? Que les choses soient claires, nous avions prévu une évaluation, un acte, simple, efficace, une rentrée, une sortie, une personne, une pathologie, une équipe, des personnes interchangeables, une problématique, un site internet, pas de file d'attente, pas de file d'attente, pas de problème, pas de problème. Puis finalement, les invisibles sont redevenus visibles. et la souffrance s'est étendue à celles et ceux qui les accompagnent. La détresse dans laquelle professionnels et personnes accompagnées sont plongés est le fruit d'une politique sociale qui ne se soucie plus d'être adaptée au terrain. Une politique qui nie l'essence même de ces métiers, le temps de la relation et le temps de l'accompagnement, qui considère le travail social comme une dépense, beaucoup plus que comme un investissement, comme si les personnes bénéficiaires n'en étaient pas dignes, qu'on les considère autrement et envers lesquelles on fait des concessions budgétaires. Lors du déplacement à Lyon, il n'y a pas un groupe parti à la rencontre des professionnels qui n'ait pas vu l'un ou l'autre se mettre à pleurer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ces professionnels sont démunis, contraints à mal faire leur travail, à en faire pâtir, voire souffrir malgré soi les personnes accompagnées. Et ce n'est pas qu'une question de salaire, c'est clairement une question de conditions de travail. Notre société promeut tellement la perfection et le succès qu'elle refuse de reconnaître qu'elle tient en grande partie à toutes celles et ceux qui, au quotidien, travaillent à la rendre solidaire, inclusive, ceux qui créent et maintiennent la cohésion, retissent les liens, et que la vraie réussite d'une société, les vraies valeurs républicaines, elles sont là. Chers membres du gouvernement, tout comme sur les enjeux écologiques, les temps ne sont plus à l'évaluation, à de multiples missions flash pour comprendre des choses que nous avons déjà dites, des choses que nous avons déjà comprises. Il existe des feuilles de route claires, établies avec les professionnels du secteur, avec les personnes accompagnées, les personnes concernées. Utilisez-les. Merci. Merci. Claudie Kulak pour le groupe des familles. Yazid Chir lui succédera. Monsieur le Président, chers collègues, l'invisibilité des travailleurs des métiers du lien méritait un nouveau rapport, un nouvel avis, pour maintenir le projecteur sur ces personnes, très majoritairement des femmes, qui interviennent au quotidien au profit des familles à tous les âges de la vie. Certains de leurs champs d'action, comme la protection de l'enfance et de la jeunesse, l'intervention auprès des personnes âgées sans abri, des personnes en situation de handicap et bien sûr de leurs proches aidants, et certaines professions sont bien identifiées par le grand public. Assistants de services sociaux, éducateurs spécialisés. Mais la diversité des métiers est toujours mal connue et participe de la méconnaissance et de la non-reconnaissance du travail social et de sa complexité à l'appréhender dans sa globalité. Nous tenons ici à porter l'attention sur les mandataires judiciaires à la protection juridique des majeurs, les aides à domicile, les médiateurs familiaux, les mandataires ad hoc, les assistants parentaux. Les nommés contribuent à sortir de l'ombre ces métiers essentiels. Parmi les 20 préconisations pour y parvenir, le groupe Famille en retient particulièrement 3. La première concerne les réponses urgentes à apporter à la pénurie des personnels. Le réinvestissement et la revalorisation salariale sont un préalable indispensable pour l'attractivité des métiers de la cohésion et pour stopper la concurrence qui agit au sein du secteur entre les organisations employeuses. La mesure dite du Ségur 2 d'augmentation de 183 € net mensuels montre bien, s'il en était besoin, que face à la très grande diversité des métiers de la cohésion sociale, il reste encore du chemin à parcourir pour que l'effectivité de cette mesure puisse s'appliquer dans son entièreté pour les personnels des fonctions support, mais aussi pour les personnels intervenant, par exemple, dans la politique publique du soutien à la parentalité. La préconisation appelant à l'association réelle et non pas seulement formelle des familles et des usagers dans le fonctionnement des services et établissements sociaux et médico-sociaux est une mesure de nature à redonner du sens à l'intervention des personnels. Enfin, le pilotage à vue avec une incertitude sur les moyens alloués d'une année sur l'autre pour l'accompagnement des personnes vulnérables n'est plus soutenable face à la montée des besoins, notamment liés à la démographie. Une visibilité renforcée sur les besoins et les moyens de manière prospective nécessite la discussion au Parlement d'une loi de programmation pluriannuelle. Le groupe Famille vous remercie, monsieur le rapporteur, cher Évan, madame la présidente, chère Sophie, pour ce travail et votera le projet d'avis. Merci. Yazid Chir, du groupe des non-inscrits. C'est Pierre-Marie-Joseph qui lui succédera. Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, chère Sophie, chère Évan, tout d'abord un grand merci pour ce travail qui a été réalisé avec passion et puis pour ce que tu as fait, Évan, en fait, en créant cette communion au sein de la commission Travail et Emploi. Et nous voterons, bien sûr, sans réserve, au niveau des non-inscrits, cet avis, et avec conviction. Et garant de la cohésion de notre société, les métiers dits de la cohésion sociale sont plus que jamais un secteur indispensable, car ils participent à l'intégration et au vivre ensemble des plus démunis. Il s'agit également d'un secteur offrant des perspectives d'emploi à toutes les couches de la population, quelle que soit leur qualification. Les jeunes actifs, comme les professionnels en reconversion, y trouvent leur compte. Cependant, malgré leur utilité indéniable, ces métiers restent peu connus et peu valorisés, comme nous en avons fait le constat. Le secteur connaît une crise des vocations qui se traduit par des difficultés de recrutement face à des besoins d'accompagnement en forte augmentation, la diminution des personnes inscrites dans un parcours de formation, la perte de sens, la stagnation des salaires et la dégradation des conditions de travail. Face à l'urgence de la situation, notre Assemblée se devait donc de se saisir du sujet afin de rendre des préconisations permettant à ces métiers d'être plus désirables d'une part et d'autre part de permettre aux professionnels de retrouver du sens à leur travail. À travers des séries d'auditions et de travaux au sein de la commission Travail et Emploi, nous avons conclu que les principales causes de dégradation étaient avant tout un manque criant de moyens financiers, humains et matériels, mais également une stagnation des rémunérations qui pouvaient s'apparenter à une dévalorisation professionnelle. L'avis le confesse, nous devons impérativement donner une meilleure cohérence et une meilleure lisibilité aux politiques publiques et politiques sociales. Nous, membres de la société civile, organisés mais également l'ensemble de la classe politique, sommes donc attendus au tournant. Ainsi, les métiers de la cohésion sociale doivent donc être au cœur des débats, des décisions publiques dans les années à venir et plus précisément lors de cette mandature qui commence. Nous sommes dans une situation où ni les usagers ni les professionnels ne peuvent continuer à subir ces dégradations sans que cela ne mette en péril leur sécurité, la cohésion sociale ainsi que la préparation de l'avenir. Il est de notre responsabilité, individuellement, collectivement, d'investir ce sujet et de produire des préconisations allant dans le sens de l'intérêt général. Enfin, l'avis présente 20 préconisations qui sont toutes pertinentes et nous en retiendrons 4. La première, réinvestissement et revalorisation salariale, urgentissime, campagne de recrutement et de formation en alternance, considérer tous les temps de travail comme productifs, investir dans la formation continue. Et nous remercions de nouveau le rapporteur et vous souhaitons que cette... Merci, Pierre-Marie Joseph. Pour les Outre-mer, Dominique Joseph. En suivant. Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Présidente, chère Évan, indéniablement, la crise sanitaire que traverse toujours notre pays depuis de nombreux mois a mis en lumière la fragilité et les enjeux des métiers de la cohésion sociale. En effet, les autorités ont principalement mis l'accent sur les professions médicales et paramédicales quand d'autres secteurs sont restés dans l'ombre des politiques publiques alors qu'ils demeurent des rouages essentiels de la chaîne de cohésion sociale. Cependant, le Covid n'est que révélateur puisqu'elle a eu donc un effet de loupe sur un secteur déjà en crise et des professionnels en grande souffrance. Dans les Outre-mer, n'est-ce pas, Évan, vous le savez mieux que tout le monde, les enjeux sont sensiblement plus prégnants car ces territoires sont confrontés à une situation socio-démographique exceptionnelle. Les sociétés sont soumises à de forts bouleversements qui modifient en profondeur les équilibres démographiques, économiques, mais surtout sociaux. Plus frappant encore, la rapidité avec laquelle s'opèrent ces mutations, avec pour conséquence le vieillissement des populations dans certaines collectivités, le départ des plus jeunes à la recherche d'un avenir meilleur pour fuir le chômage de masse, ou encore l'accentuation des inégalités et de la précarité. Dès lors, face à ce constat, les professionnels de l'action sociale et éducative se battent quotidiennement pour répondre aux urgences sociales. Ils ont en première ligne des situations dramatiques, notamment venant en aide aux familles monoparentales, dont la proportion est plus importante dans les Outre-mer que dans l'Hexagone, à ceux confrontés au problème du manque ou du mal logement, aux jeunes qui sortent précocement du système scolaire en déshérence, aux personnes dépendantes ou encore donc, au quart de la population tributaire des minima sociaux pour survivre. Nous sommes là sur la population vulnérable. Mais en dépit du formidable engagement humain de ces professionnels qui revêtent tout à la fois le rôle d'accompagnant, de conseiller, mais assurément d'amortisseur social, notre modèle de cohésion sociale pourrait péricliter si l'État et les collectivités ne réinvestissent pas dans ce secteur. Les réponses à cette crise sans précédent ne peuvent être parcellaires, mais globales et collectives entre le public et le privé. Il s'agit sans attendre de rendre, qu'on se le dise, attractifs les métiers du secteur. D'abord par la revalorisation des salaires, par le soutien à la formation initiale et continue, car les centres de formation aux métiers du travail social sont encore trop peu nombreux. Enfin, dans la nécessaire prise en compte des conditions de mobilité des personnels au regard de la configuration géographique de nos territoires, mais aussi de leur aménagement. Il va de soi que les conditions de travail aussi en termes d'organisation, le temps partiel subi et non choisi, est aussi un vrai élément de réflexion. Alors notre pays n'a plus que jamais besoin de cohésion et de resserrer ces liens de solidarité avec les populations, les communautés, les générations et nos dirigeants. Ces avis, et pour que les Merci. Dominique Joseph pour le groupe Santé et Citoyenneté. Dominique sera la dernière oratrice. Chers collègues, portés par un mouvement de long terme de vieillissement de la population, d'augmentation des phénomènes migratoires, d'amélioration de l'accompagnement du handicap ou de fragilisation de la structure familiale, les métiers de la cohésion sociale sont et seront indispensables. Or, la situation des professionnels de ces métiers, majoritairement des femmes, est toujours fragile par manque d'une politique cohérente et d'une vision prospective et globale de la diversité de ce secteur. La prise de conscience est a priori d'actualité. Ce mouvement doit aujourd'hui se traduire concrètement et rapidement par une réelle valorisation du rôle et de la place de ces professionnels afin de consolider ce secteur, sécuriser les pratiques et résoudre les problèmes de turnover et d'attractivité. Comme le souligne justement le projet d'avis, les défis imposent de d'abord trouver des réponses immédiates pour répondre à l'urgence, en accordant notamment à toutes et tous les revalorisations jusque-là accordées à certains, ce qui a contribué à aggraver les tensions. Mais au-delà, c'est à une véritable crise des métiers du social que nous sommes confrontés, car il est question ici de redonner du sens là où un sentiment d'insatisfaction et de lassitude devient dominant. Les témoignages des professionnels en ont attesté pendant les travaux de la commission. Merci Céline, Isabelle et Slimane pour l'incarnation de cette urgence humaniste. Redonner du sens, c'est aussi redonner du temps. Le temps de se former, le temps d'échanger, le temps d'écouter et le temps d'accompagner. Le groupe Santé et Citoyenneté partage les propositions du projet d'avis qui vise à réhumaniser les métiers. De plus, les financements sont fragmentés, constituant aussi un frein au pilotage du secteur et induisant des inégalités de traitement entre les territoires. Aussi, pour nos structures associatives et mutualistes, un financement de bon niveau, juste et simplifié, s'accompagnant de dispositifs de contractualisation est urgent. La nécessité d'une anticipation des besoins demande aussi des efforts supplémentaires en faveur de la formation. Le soutien à l'effort de la formation continue et la simplification des dispositifs de la VAE d'une part et le développement de l'alternance d'autre part doivent contribuer à moderniser et changer l'image de ces métiers. Le projet d'avis invite les pouvoirs publics à répondre à cette urgence par un projet ambitieux pour une société solidaire et inclusive, le groupe Santé Citoyenneté dit chiche aux pouvoirs publics. Et le groupe Santé et Citoyenneté votera ce rapport, remercie les membres de la commission, la présidente, l'engagement du rapporteur pour ce travail tant sur la forme que sur le fond qui nous donne envie d'aller encore plus haut et plus loin. Merci. Merci. Donc c'est le moment de passer au vote. Le vote est ouvert. On ajoute de, comme ça, Bernard. On corrigera, on ajoutera un autre point. Parce que je ne veux pas le dire comme ça, on ajoutera au PV. Je regarde le... Donc, le vote est clos. – 122 votants, 122 pour. Donc... Merci beaucoup à vous. Nous nous retrouverons demain à 15h30. Je vous rappelle qu'il y a l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones. 19 CES francophones seront présents. Et la prochaine séance, en plénière, c'est le 27 septembre prochain. Quelles voies et moyens pour une réelle autonomie stratégique de l'Union européenne dans le domaine économique? Voilà, d'ici là, pour ceux qui vont un peu moins fréquenter les couloirs de Iéna, bel été à toutes et tous. La séance est close.